service population de la ville, ainsi qu'un nouveau service du CPS dédié à l'introduction des nouvelles demandes de revenus d'intégration. Il s'agit incontestablement de deux services ouverts à tous les Liégeois et la qualité de l'accueil dans ces services est donc primordiale. Il sera partagé par des agents de la ville et du CPAS, tous deux formés aux spécificités des services de la ville et du CPAS pour conseiller et orienter de manière adéquate chaque personne se présentant au guichet d'accueil commun. Il s'agit également d'analyser et de proposer le degré de mutualisation théoriquement le plus rationnel et le plus efficace pour les services départements concernés en fonction des structures organisationnelles, des lignes hiérarchiques en place, des processus et procédures de travail, mais aussi des forces et des outils de chaque institution. Les premiers départements abordés sont les services supports, rassemblés physiquement à la cité administrative ou amenés à quitter, dans un même temps, les locaux du CPS Place Saint-Jacques. Pour information, dans ce cadre-là, la méthodologie définie est la suivante. Chaque service concerné ou thématique spécifique identifiée fait l'objet de réunions planifiées à fréquence régulière entre le responsable et expert de la ville et du CPS, coordonnées par un comité de suivi commun. À cette dynamique de travail, il convient également de mettre en avant les excellentes collaborations pour le suivi des communications internes et externes, la coordination, le partage d'informations, la rédaction de contenus communs, nécessaires dans le cadre du déménagement à la cité administrative. Cette collaboration accrue participe à la bonne gestion du changement, particulièrement indispensable dans des projets de telle ampleur. Ainsi, les grandes lignes du plan de communication ont-elles été élaborées en commun ? À noter la refonte du site internet du CPS, à nouveau en étroite collaboration avec la ville. L'organisation de visites guidées du chantier de la cité, communes aux agents en ville et du CPS, permettent également à ces derniers d'être dès à présent accompagnés dans cette démarche de changement. S'agissant des mesures de synergie, il ne s'agit pas ici de présenter le détail des 19 mesures adoptées, mais d'en exposer au travers de quelques axes, les ressources humaines, l'IT, les services transversaux ou encore la gestion documentaire, la philosophie générale et la cohérence. L'objectif est toujours le même. Il s'agit dès aujourd'hui de baliser les étapes en investissant de manière concrète dans des mesures de gestion et de synergie qui devront aider nos institutions à réaliser les économies d'échelle attendues, mais dont il serait aujourd'hui hasardeux de chiffrer plus précisément tant les incertitudes qui nous environnent sont immenses. Mais quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que les présentes mesures s'inscrivent pleinement dans un esprit de rationalisation, de saine gestion et de bonne gouvernance de nos institutions et qu'elles figurent donc en tant que telles et de manière commune dans nos plans de gestion respectifs. Ainsi, au niveau de l'enjeu touchant la thématique des ressources humaines, comme il vous aura été exposé par ailleurs, la refonte globale et l'harmonisation des statuts et du règlement de travail et de ses annexes, travail réalisé conjointement par les deux institutions, constitue la colonne vertébrale du travail d'approfondissement des synergies telles que l'autorité a souhaité le poursuivre. Dans le respect des spécificités de chaque institution, de leur cadre légal inchangé et de leurs missions respectives, les travailleurs de la ville et du CPS, dans des conditions similaires, auront demain plus encore le sentiment partagé d'appartenir à une maison commune, un service public de qualité au service de tous les citoyens. Par ailleurs, le rassemblement physique des services RH Ville-CPS à la cité administrative contribuera à l'approfondissement des synergies existantes et l'analyse des procédures de travail, ainsi que la mise en œuvre de leur harmonisation, de leur mise en commun, s'envisage donc également dans la perspective du déménagement vers la cité. La priorité de cette analyse est mise sur les services traitement, le système d'information des ressources humaines, la formation, l'évaluation, mais également le recrutement et la gestion administrative qui partagent déjà à différents degrés des outils et procédures communs.
Dans ce cadre, les projets de dématérialisation de certains processus sont envisagés de manière commune. Je songe particulièrement aux évaluations ou encore au recrutement. Au niveau de l'informatique, en matière de gestion des systèmes d'information, le niveau des synergies souhaitées tendrait vers un département des systèmes d'information intégrés, c'est-à-dire une intégration IT complète ville CPAS. Le modèle proposé, modèle intégré, à l'instar du service gestion documentaire et archives, s'intéresse exclusivement à l'occupation conjointe citée dans un premier temps. Si sur un plan technique, le rapprochement IT-ville-CPS complet nécessitera incontestablement des analyses plus complètes et poussées qui s'étaleront vraisemblablement sur plusieurs années, il n'en reste pas moins que les équipes IT de la ville et du CPS occuperont des espaces communs, en ce compris pour la gestion des stocks et la salle de test, et poursuivront le partage des infrastructures, des compétences et des processus. S'agissant des services transversaux, le souci de rationalisation des bâtiments implique, dans un premier temps, une mutualisation des espaces et outils de travail des services Economa et de l'imprimerie. Cette mutualisation des espaces, du personnel, voire à terme, cette intégration, passe par le développement de marchés communs pour toute acquisition de fournitures. Par ailleurs, le niveau des synergies souhaitées tendra vers un service entretien intégré. La réflexion s'inscrit également dans le cadre de la rationalisation des bâtiments. L'occupation conjointe des espaces rue Louis-Boumal rendrait de facto opérationnelle une mutualisation des espaces, du personnel et du matériel de travail. La gestion des stocks, les commandes, le stockage, la livraison seraient par ailleurs mutualisés. Au niveau de la numérisation, dans le cadre du déménagement des services de la ville et du CPS à la cité, il est prévu de diminuer drastiquement l'utilisation de papier. En 2020, une prise de contact a permis au CPS d'être informé des différentes étapes prévues par la ville dans le cadre de la mise en place de son projet Cité Zéro Papier. En 2021, le CPS a initié en interne, mais sur la même procédure que celle de la ville, un premier travail de recensement des données et documents papier repris et utilisés au service du personnel. En 2022, le travail se poursuit. Les équipes du CPS sont accompagnées par le service de la gestion documentaire et archives. Rappelons que depuis 2018, ce service est déjà commun à la ville, au CPS et à la zone de police, pour qu'elles puissent, autant que les équipes de la ville, se préparer au changement de comportement qu'implique une diminution drastique de l'utilisation de papier. L'enjeu de la numérisation est sans précédent dans ce projet. Cela nécessite, à tout le moins, pour tous les services qui rejoignent la cité, une stratégie concertée et des outils communs en vue de mettre en place une gestion électronique de documents efficace des deux administrations. C'est en définissant la stratégie globale et les différents axes de travail du programme Zéro Papier, que la nécessité d'acquérir une solution de gestion des archives papier et numérique est imposée comme un impondérable. Dans cette optique, le Collège communal, en date du 25 février, a validé la candidature conjointe de la ville et du CPS à l'appel à projet Accor Tax on Pylons, lancé par la région Wallonne dans le cadre de la digitalisation des pouvoirs locaux. À titre indicatif, la dématérialisation accrue dans laquelle sont particulièrement impliqués le service intégré de gestion documentaire et archives, ainsi que les départements IT de la ville et du CPS, estiment à 1 million de documents par an la production électronique à venir. La dématérialisation en cours et la sensibilisation des agents permettront à terme de réaliser des économies d'échelle sur l'achat et sur l'entretien des machines d'impression, de papier, ainsi que sur l'ordre. En guise de conclusion, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, je voulais, avec mon collègue, saluer le moment important dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Au départ d'une opportunité liée au déménagement de nombreux services de la ville et du CPS, appelés à partager des espaces de travail communs, et de la volonté d'offrir à ses agents des lieux de travail modernes, répondant aux standards rencontrés aujourd'hui dans le monde du travail, et donc
de participer activement au bien-être au travail des travailleurs, nous avons également franchi une autre porte, celle de la réflexion pouvant permettre la mise en place d'une politique conjointe permettant la mutualisation des services respectueuse des missions, des capacités et des moyens tant humains que financiers des deux institutions locales, et ce, dans un souci de leur utilisation optimale au service des citoyens. Les rapprochements des services supports et la clarification des missions respectives de chacun des acteurs institutionnels au sein du paysage communal participent, en effet, à la bonne gouvernance locale et symboliquement réconcilie le citoyen avec la gestion communale. La mise en place de synergies conduisant à des mutualisations de services entend promouvoir une forme d'organisation fondée sur une vision partagée de la gestion administrative en vue de faciliter la réalisation de leurs missions pour chacune d'elles. Nous y voyons à la fois une approche permettant de répondre à ce qui est devenu une véritable priorité de gouvernance locale et une occasion de penser l'administration en unissant nos forces là où l'intérêt le commande, tout en permettant à l'une et à l'autre de conserver son identité et ses spécificités. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Monsieur Roussel, est-ce que vous voulez vous prendre la parole? Effectivement, vous venez d'arriver. Donc c'est bon. Vous n'êtes pas... Bon. Oui. Bon, nous avançons. Je donne la parole. Merci. Silence. Nous avançons. Je donne la parole maintenant aux différents chefs de groupe CPS. Je commence par le PTB, Monsieur Le Ruth. Vous avez la parole. Merci, Madame. Mesdames, Messieurs les conseillers, membres du Collège communal, mon intervention peut se résumer à une question. Des économies sur les pauvres ou aller chercher l'argent où il y en a. Donc nous sommes passés ces dernières décennies de l'aide sociale à l'urgence sociale, on l'entend bien. Selon une étude menée dans le pays par l'ULB et la KUL, avant Covid, avant inondation, avant inflation, il y avait dans l'arrondissement de Liège 280 000 personnes en situation de précarité, ce qui fait 40% de la population, c'est énorme. C'est pourquoi il faut saluer le travail incroyable que les travailleuses et les travailleurs du CPAS accomplissent chaque jour, avec des moyens financiers et humains totalement insuffisants. Chaque assistante et assistant social, par exemple, est en charge d'une centaine de dossiers, c'est beaucoup trop.
Les crises se succèdent, hier le Covid, des inondations, aujourd'hui une explosion des prix de l'énergie sur le marché capitaliste, avec ses surprofits pour les uns, et la misère engendrée par l'inflation pour le plus grand nombre. Et la gestion de ces crises et les mauvais choix politiques font basculer de plus en plus de travailleurs et travailleuses dans la pauvreté, et cela de plus en plus vite. Le groupe PTB du CPAS suit de très près les actions de synergie entre la ville et le CPAS. Elles ne doivent pas se faire au détriment de l'emploi et des conditions de travail, mais bien en vue, nous le comprenons bien, de faire des économies d'échelle et de mutualiser les coûts. Nous voulons que ce soit dans cet état d'esprit que le CPAS aille rejoindre la cité administrative fin 2023, peut-être plus tôt. Nous souhaitons donc que le personnel du CPAS soit entendu sur la manière dont il compte poursuivre ses missions, des missions spécifiques. Une des mesures de la synergie est l'harmonisation des statuts et des règlements de travail des travailleurs villes et CPAS. Si nous pouvons nous rejoindre sur plusieurs points, nous ne comprenons pas que vous ayez fait passer la pause de midi obligatoire non rémunérée d'une demi-heure à trois quarts d'heure pour les travailleurs CPAS comme pour le personnel de la ville. Pourquoi harmoniser vers le bas et pas vers le haut ? Les travailleurs ont été sondés lors de plusieurs assemblées, ils se sont prononcés assez clairement contre cette mesure. Ces travailleurs qui ont tout donné et continuent à le faire dans des conditions de restriction difficiles, ils méritent qu'on les écoute. Enfin, cette occupation de la cité administrative devra se faire par un achat et non une location qui grèverait davantage les finances du CPAS dans l'avenir. La charge de travail augmente sans cesse, en même temps que la pauvreté s'accroît, je viens de le dire. Par exemple, le projet individualisé d'intégration sociale, le PIS, qui vise à contrôler davantage les travailleurs, doit être réformé d'urgence. C'est une surcharge pour les agents de terrain, qui sont obligés de jouer au contrôleur, au détriment d'une vraie action sociale, et notamment des projets de réinsertion socio-professionnelle. Nous invitons l'Assemblée à se positionner au fédéral pour sa suppression. Des efforts ont été entrepris, nous reconnaissons. La mise en place du programme informatique Sociabili, par exemple, qui permet d'avancer plus vite dans le traitement des dossiers, c'est important pour un isolé qui perçoit 1 000 euros par mois, et parce que 2 jours de retard représentent une catastrophe pour se nourrir. Le subside de la région Wallonne qui permet l'engagement de 34 équivalents temps plein, ETP, pour une durée de 2 ans, c'est une bonne nouvelle aussi, permet de soulager la charge de travail des agents. Mais il est impératif que cette aide devienne permanente au vu de l'augmentation alarmante de la pauvreté. Parlons de l'énergie. Les soi-disant vertus de l'économie libérale nous mènent aujourd'hui, par le jeu de la spéculation, à une crise énergétique sans précédent et à une inflation ahurissante. Alors que les sociétés engrangent des bénéfices colossaux, la population trime. Par l'entremise du tarif social et du fonds énergie, la collectivité tente de limiter les dégâts. Il y a fort à parier que les demandes d'aide sont en train d'exploser. Notre cheval de bataille, la diminution de la TVA sur l'énergie de 21 à 6%, est une mesure concrète pour permettre aux ménages de se chauffer sans devoir choisir entre manger ou avoir chaud l'hiver. Pour nous, l'énergie doit être considérée comme un produit de première nécessité. Grâce à nos pétitions, grâce à la mobilisation syndicale, le gouvernement s'est vu contraint d'y céder momentanément. Il est absolument nécessaire que cette mesure devienne permanente et fasse l'objet d'une loi. Elle réduira les coûts énergétiques de la ville et du CPAS et soulagera de nombreux travailleurs et travailleuses qui payent de leur poche pour se rendre au travail. Les partis traditionnels doivent se positionner. Vont-ils aller chercher dans les poches des travailleurs ou dans les portefeuilles des multinationales comme Engie Electrabel? En matière de logement d'accueil aussi, la politique sociale est insuffisante. Le CPAS et la ville ont augmenté le nombre de lits pour les sans-abri et des logements de transit, c'est bien nécessaire. On atteint aujourd'hui 100 de lits que le CPAS entend doubler en même temps que l'abri de nuit sera rénové et tiendra compte d'économies d'énergie.
Fort bien. Mais on sait que plus de 500 à 600 personnes sont dans la rue et que ce chiffre est largement sous-estimé. Pour nous, la meilleure solution pour sortir les gens de la rue, c'est le Housing First, projet anecdotique pour le moment. Rappelons par ailleurs le manque criant de logements sociaux. Le marché locatif privé règne en maître à Liège, alors qu'on atteint à peine 7% de logements publics. Une politique communale sociale doit passer par une maîtrise du coût des loyers privés, à savoir un cadastre contraignant. D'autre part, nous le répétons, il faut imposer 30% de logements publics dans tout nouveau projet privé d'ampleur. Tous ces promoteurs que le Collège accueille les bras ouverts doivent se voir imposer des contraintes urbanistiques utiles pour la collectivité. Selon le plan de gestion du CPAS qui vient d'être exposé, on peut lire que le nombre de personnes qui font appel au CPAS a augmenté de 21% entre 2016 et 2022. Les projections jusqu'en 2027 nous semblent insignifiantes. Équilibre des comptes oblige sans doute. Or, tout indique que la précarité ne fera que s'aggraver dans les années qui viennent. À ce sujet, le revenu d'intégration sociale, le RIS, est actuellement remboursé à 70%. 30% sont à charge du CPAS et de la ville. Cette part ne fait que s'agrandir avec l'augmentation du nombre de RIS. La ville prévoit pour 2025 d'intervenir afin que le CPAS reçoive 75% au lieu de 70%, un petit ballon d'oxygène bienvenu. Ce que nous réclamons au PTB, c'est que le remboursement du RIS par le fédéral augmente à 85%. Cela apportera une rentrée supplémentaire de plus de 10 millions d'euros à notre CPAS et le déficit que la ville doit combler n'existerait plus. Et la part restante permettrait d'assurer une politique sociale locale digne de ce nom. Donc les partis de la majorité liégeoise sont dans les divers gouvernements où vous devez prendre vos responsabilités. Je terminerai en disant que d'année en année, la situation se dégrade. On voit de plus en plus de ménages sous le seuil de la pauvreté dans notre ville, de plus en plus de travailleurs devenir des travailleurs pauvres. Les moyens investis pour lutter contre la pauvreté ne sont pas suffisants. Tout ne peut pas se régler, évidemment, à partir du niveau communal, mais vous avez des choix politiques à faire et des relais. Vous avez le devoir de vous battre dans les instances supérieures pour exiger les moyens financiers de leur politique d'austérité menée depuis des années. C'est pour toutes ces raisons invoquées ici que le groupe PTB au CPAS a voté contre le plan de gestion 2022-2027. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Le Rut. Je donne la parole maintenant à Madame Salle. Je vous remercie. C'est un travail qui est préparé en commun avec les conseillers à l'action sociale de mon groupe. Et puisque le débat sur le changement des statuts est mis ensemble, j'aborderai aussi des questions liées à la ville dans cette intervention, mais d'abord rappeler quelque chose que j'ai déjà dit d'ailleurs à Monsieur Bonjean, c'est que ces conseils en commun sont souvent très importants pour nous parce que c'est un moment où on a enfin le temps de débattre de cette institution qui fonctionne plus discrètement que le conseil communal et qui pourtant rend d'importants et des services aux Liégeois qui sont absolument prioritaires pour la qualité de vie de beaucoup de nos concitoyens. Et quand je suis devenue conseillère à l'action sociale, il y a de ça maintenant 10 ans environ, André Verriens, chef de groupe à l'action sociale, m'avait dit que c'était le dernier filet de notre système de sécurité sociale. Et je pense c'est encore une époque où on pensait que l'assistance sociale pourrait disparaître, et aujourd'hui on voit que c'est un lieu qui sert de rustine à toutes les failles de modèle assurantiel. Et force est de constater que ces dernières années, que ce soit pour la crise du Covid, que ce soit lors des inondations, que le CPAS est toujours plus utilisé comme la porte à laquelle aller frapper. Alors la force de cette institution, c'est sa proximité.
Mais cette surutilisation fait qu'un jour, j'espère que nous aurons un conseil communal commun, non pas sur les synergies, mais aussi parce que les autres niveaux de pouvoir auront adapté soit l'institution aux missions élargies qu'il lui donne, en lui octroyant des moyens nécessaires à ses missions, soit parce qu'ils auront renforcé un système assurantiel plutôt que de déléguer à l'assistance sociale les lourds enjeux sociaux de notre temps. Ce point étant dit, venons-en aux synergies. Alors, dans les synergies qui nous sont présentées, il y a des synergies évidemment que l'on ne peut que soutenir parce qu'elles sont... elles sont synonymes d'une meilleure gestion, d'une collaboration renforcée, etc. Nous voudrions rappeler que synergie, ce n'est pas fusion. Nous favorisons, pour Verardon, il faut favoriser ce qui simplifie les démarches, l'administratif, les politiques de ressources humaines, etc. Mais les deux institutions doivent bien rester indépendantes et le CPAS exercer ses missions sociales en toute autonomie. Alors, l'emménagement commun à la cité administrative approche. Nous nous en réjouissons parce que c'est un projet de longue date et nous espérons que ce déménagement sera, nous n'en doutons pas, sera un mieux en termes de cadre de travail. Mais rappelons qu'il y a, à notre connaissance, toujours pas de convention entre la ville et le CPAS, alors que le CPAS a déjà contribué financièrement à cette cité administrative. Alors j'en profite, nous profitons également de l'occasion qui nous est donnée pour rappeler que pour nous, une dotation communale qui s'adapte à la situation de notre population, et notamment à l'augmentation du nombre des dossiers RIS, est importante pour nous. C'est une priorité, une augmentation que nous aimerions voir évidemment couplée à une augmentation, et c'est dit aussi dans le plan de gestion, de la part du RIS pris remboursé par le fédéral. Alors si on en vient maintenant à ce qui est vraiment le cœur de la discussion aujourd'hui, à savoir le changement des règlements et des statuts, nous trouvons qu'il y a dans ces nouveaux statuts et règlements, on intègre des demandes importantes du personnel, l'augmentation du remboursement des frais de transport en commun, des modalités de pointage, l'adaptation des pauses de midi, la valorisation de l'expérience dans le secteur privé. Et donc il y a des avancées que nous saluons, mais nous avons plusieurs réserves que je vais développer dans un instant et dont une des questions qui reste, c'est celle, alors de manière générale pour la ville, des non-départs à la retraite, de l'impact sur la charge de travail. Et c'est une question qui, la question de la charge de travail au sein du CPAS par assistant social est aussi une question qui se pose et sur laquelle nous avons, vous le savez, l'habitude de vous interroger parce que c'est à la fois important pour la qualité du travail, des conditions de travail des assistants sociaux, mais aussi tout simplement pour les Liégeois et les Liégeoises qui ont recours à cette institution importante et qui doivent avoir réponse dans des délais brefs à leurs demandes pour des situations parfois très, très difficiles. Alors, concernant les frais de déplacement domicile-travail, nous saluons particulièrement le choix de passer de 70 à 85% de remboursement des frais en transport en commun. C'est un signal important pour encourager les transports en commun. Il y a déjà tout à y gagner pour résorber ces bouchons, pour purifier l'air, pour pacifier la ville. Et pour Verardon, l'objectif, c'est d'atteindre les 100% de remboursement. C'est aussi une aide financière, prendre ces frais en charge, qui est non négligeable à l'heure actuelle où les prix du carburant sont un frein au travail. Certains salaires n'arrivent plus à être suffisants pour prendre en charge des frais de carburant, au point parfois d'empêcher les travailleurs de pouvoir se déplacer. Donc, ça nous paraît important de permettre et d'encourager et de soutenir les alternatives. Alors, puisque nous parlons de la politique mobilité de la ville vis-à-vis de ces travailleurs, nous voudrions aussi savoir si la ville encourage les pratiques de covoiturage. Dans certains endroits, peu desservis en transport en commun, faciliter le covoiturage en fonction des lieux de résidence, des lieux de travail, c'est quelque chose qui pourrait être complémentaire à ce remboursement des frais de transport, que ce soit par un forum où on peut poser des questions, se mettre ensemble par groupe, etc., par des tableaux dans les services ou dans les bâtiments. Ça peut être un ajout intéressant. Verardon souhaite aussi attirer l'attention de la ville et du CPS sur les temps de travail partiel subis plutôt que choisis.
Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pendant les années 80, on a beaucoup vendu le temps partiel comme la solution, en particulier aux femmes, pour concilier vie professionnelle et vie de famille. Dans la réalité, en particulier dans les secteurs ouvriers, on sait qu'il n'en est rien, que ce n'est pas parce qu'on a un temps partiel qu'on est forcément disponible aux heures où il faut déposer les enfants à l'école ou où il faut être proche d'un membre de sa famille qui en a besoin. On sait qu'il n'en est rien, que les horaires sont rarement choisis. Et en revanche, ça limite les revenus pendant la carrière, mais aussi au-delà, lorsque les personnes sont à la pension. Et nous pensons aujourd'hui en particulier au secteur du nettoyage. Alors, lors de la commission que nous avons eue à ce sujet, Madame Yerna nous a dit que la ville ne pratiquait pas les... Madame Yerna nous a dit que la ville ne pratiquait pas les régimes coupés. Alors, c'est positif parce que c'est une catastrophe en termes de conciliation, vie professionnelle, vie familiale, et y compris en termes de santé. Mais la ville est donc est face à un dilemme qui se pose dans l'ensemble de la société, en fait, hein, qui nous dépasse, mais que nous devons prendre en considération, et qui est celui-ci, c'est comment permettre à certains travailleurs et travailleuses d'accéder à un revenu plus confortable que le mi-temps, sans imposer cependant des horaires trop durs au vu de la pénibilité du travail. Et pour le secteur du nettoyage, une solution se trouve dans la possibilité de nettoyer pendant les heures où les services ou l'ensemble des services sont présents, et on a tendance à les faire travailler soit tôt en journée, soit tard le soir. Nous pensons qu'il faut viser la cohabitation parce que cette situation, dans un maximum de situations, car ça permet de donner des horaires plus complets à ces personnes et des horaires plus confortables également. Alors, je prendrai peut-être la parole sur la question du non-départ, du non-remplacement des départs à la retraite pendant le conseil communal. C'est aussi un débat au sein du CPS, à savoir comment allons-nous faire, sachant le nombre de dossiers qu'il y a par agent, pour continuer à assurer les missions importantes et prioritaires qui sont celles du CPAS, avec un personnel qui est en suffisance et qui peut tenir des délais, qui a des conditions de travail qu'elle peut assurer sans faire face au risque d'épuisement. Alors ce risque d'épuisement, justement, nous y sommes vigilants. Au niveau de la petite enfance, l'analyse de Coesio sur les psychosociaux pour le personnel a pointé différents chantiers à mettre en œuvre rapidement. Et donc ça, j'y reviendrai en conseil tout à l'heure, mais c'est aussi pour nous un élément auquel il faut faire attention. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre ces chantiers, pour donner suite à ces rapports et améliorer ainsi la charge de travail au sein des institutions communales. Alors, les nominations, c'est une mesure du plan de gestion, c'est donc d'augmenter la part des nominations à 50%, c'est une bonne nouvelle, avant tout pour le personnel, pour sa stabilité bien évidemment, c'est aussi une bonne nouvelle d'entendre qu'un meilleur équilibre va être trouvé en la proportion d'agents nommés et de contractuels, parce qu'on sait que ça aura un effet direct sur le coût de la cotisation de responsabilisation. Alors, pour prendre la situation particulière du CPS, en 2023 sont prévues 80 nominations. C'est une action one shot. Et alors, pour nous, elle est à souligner, elle est importante, mais quid d'un plan pluriannuel de nomination? Parce que pour nous, ce n'est pas une seule fois qu'il s'agit de poser ce genre d'acte. Il faut aussi continuer à donner espoir aux travailleurs qui ne vont pas être nommés en 2023, qui souhaitent l'être, afin de réduire l'exode des jeunes assistants sociaux qui quittent trop vite le CPAS, de pouvoir rendre rapidement des conditions de travail supportables, tant sur la charge de dossier par assistant social que dans le cadre de certaines antennes. Et donc il y a un équilibre et un bon dosage à trouver entre la part de nomination et de contractuel. Voici les points que nous souhaitions souligner pour les synergies qui nous sont présentées aujourd'hui, et c'est évidemment un débat qui doit continuer pour permettre au CPAS de profiter des synergies qui sont mises en œuvre tout en restant et de faciliter l'exécution de ces missions tout en restant une institution autonome, indépendante, qui peut rendre les services très importants dans le contexte de précarité dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie.
Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Rion, Olivier, pour les engager. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les échevins, Mesdames, Messieurs les conseillers communaux, mes chers collègues conseillers du CPS. Je remercie tout d'abord les conseillers communaux du mouvement Les Engagés, dont je fais partie, de me laisser la parole à l'occasion de ce conseil commun. Et comme il ne concerne que le tableau des synergies entre la ville de Liège et la présentation, entre le CPS et la ville de Liège et sa présentation, mon intervention se limitera donc à ce qui suit. Je salue bien entendu les efforts déjà menés relativement aux synergies opérées entre la ville de Liège et son CPS et les projets en cours prévus afin de réaliser des économies d'échelle et ainsi de permettre tant à la ville qu'au CPS de réaliser et d'augmenter leurs moyens afin d'utiliser au mieux les deniers publics et en ce qui concerne le CPS, d'assurer l'aide sociale dont il a la mission et parfois au-delà. Je remercie également les agents du CPS et de la ville pour la souplesse et la disponibilité dont ils font preuve quant à la mise en œuvre concrète des différentes synergies. Par contre, je regrette que nous n'ayons pas encore reçu à ce jour un tableau reprenant par synergie ou par groupe de celles-ci les montants économisés et à tout le moins une estimation de ceux-ci comme demandé déjà auparavant. Au vu des finances tant de la ville que du CPS, il serait de bonne gestion de pouvoir établir les économies réalisées afin de s'assurer du gain obtenu par les synergies opérées. En matière financière, je constate également qu'une des synergies envisagées, soit celle relative à la réflexion à mener sur la possibilité pour le CPS de rejoindre le marché d'emprunt de la ville et dont la case perspective du tableau que nous avions reçu reprenait la mention à envisager à l'occasion de l'actualisation du plan de gestion, ne figure justement pas dans le plan de gestion de la ville de Liège. Il y a tout de même là, par contre, un manque de sérieux qui pose question, surtout au vu du contexte financier actuel. En ce qui concerne les synergies en matière de services informatiques et de tout ce qui est repris sous l'appellation IT, il faudra bien entendu prendre toutes les garanties nécessaires au niveau de la sécurité pour éviter les mésaventures connues dans un passé encore récent. Une semaine de retard dans le versement d'un revenu d'intégration peut en effet avoir des conséquences dramatiques pour les bénéficiaires. Je regrette également que, dans le dernier tableau qui nous a été transmis, les synergies relatives à l'accès au logement des personnes précarisées, à la création de logements transitoires et d'hébergements d'urgence ne soient encore qu'à l'état de synergies examinées, soit la catégorie des synergies les moins avancées, alors que le Housing First est un des trois grands axes développés par le CPS de Liège et, sauf erreur, une priorité également de la ville de Liège. J'estime que l'accès au logement des personnes précarisées doit retenir toute notre attention et suis donc surpris du peu d'état d'avancement des synergies en la matière au vu de la classification de celles-ci sur ce point, même si, pour être de bon compte, il faut admettre que la coordination entre la ville et le CPS dans la gestion de la crise des inondations peut être considérée comme globalement satisfaisante. Ne devrions-nous dès lors justement pas profiter de cette très grave crise et des conséquences qu'elle a eues pour donner un coup d'accélérateur en matière de Housing First ? Tout en veillant à préserver la dépendance du CPS par rapport à la ville, la gestion de l'aide sociale méritant une institution spécialisée qu'est le CPS afin de ne pas être noyée au milieu des autres politiques communales, j'aurais souhaité également que d'autres synergies soient envisagées, comme par exemple une facilitation des démarches administratives pour les bénéficiaires, afin que les documents puissent être délivrés plus rapidement et sans que les mêmes données ne doivent être encodées tantôt au CPS, tantôt à la ville, avec tous les retards qu'il est permis de supposer que cela engendre. Nous avions déjà d'ailleurs attiré votre attention à ce sujet lors de l'intervention au Conseil commun du mois de décembre dernier relativement à un problème de délivrance de carte d'identité et qui avait donné lieu à un jeu de ping-pong entre le CPS et les services de l'état civil de la ville. Il y a lieu également d'améliorer la collaboration entre la ville et le CPS en ce qui concerne la réinsertion professionnelle des bénéficiaires dans le cadre des contrats de travail dits « article 60 » mis à la disposition de la ville de Liège et pour lesquels la ville devrait mieux prendre en considération la sécurité de ceux-ci relativement au travail qu'elle leur demande d'effectuer. Par ailleurs, à une autre échelle, dans la collaboration qui lie la ville à son CPS, il est à présent urgent que la ville agisse de manière beaucoup plus proactive auprès de l'État fédéral afin d'obtenir le refinancement sollicité depuis plusieurs années quant à la répartition de la prise en charge des revenus d'intégration entre l'État fédéral et le CPS, ce qui serait profitable tant au CPS qu'à la ville de Liège. Comme déjà plaidé et répété de nombreuses fois,
Il faut également sérieusement envisager une prise en charge financière des aides sociales, du moins en partie, à une échelle plus importante que le territoire communal, et mettre en place une solidarité entre les CPS des villes et communes d'une même province, par exemple. Il est tout à fait normal que les personnes les plus précarisées souhaitent résider dans ou à proximité des centres urbains, et la question n'est pas de les en empêcher, mais de faire en sorte que cette charge supplémentaire pour les CPS de communes des grandes villes soit supportée de manière solidaire par les communes dites périphériques. Des démarches ont-elles été entreprises en ce sens? Où en est-on? J'ai posé la question depuis plusieurs fois. Enfin, je déplore encore une fois qu'aucune suite ne nous a été donnée à ce jour à propos de la réunion spéciale de la Commission générale sociale police qui s'était tenue le 16 novembre 2019 et qui était spécialement consacrée à la question de la précarité. Nous n'avons reçu aucun chiffre ni aucune information. Y a-t-il eu des avancées? Les conseillers CPS dans leur ensemble seront-ils plus et mieux impliqués dans la réflexion globale qui est menée et dans la recherche de solutions? N'est-ce pas cela aussi une synergie qu'il serait judicieux de prévoir? Le nombre de personnes précarisées dans notre ville est malheureusement en constante augmentation et il faut absolument pouvoir apporter une réponse adéquate. Humainement, nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui existe à l'heure actuelle et tous, majorité comme opposition, nous devons nous retrousser les manches. On ne peut pas continuer comme ça et les engagés sont bien entendu prêts à travailler sur ce point. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Je vous remercie, Monsieur Rion. Je donne la parole à Madame Geneviève Mohamed pour MR pour Liège. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, dans le contexte que nous connaissons tous, moi je tenais à saluer le travail qui était accompli par les services pour établir ce nouveau plan de gestion 2022-2027 au travers duquel s'expriment les synergies que notre directeur général vient de nous présenter. On perçoit à quel point la ville et le CPS ont à cœur d'œuvrer ensemble pour lutter contre la précarité croissante. Certes, elle est généralisée sur l'ensemble du pays, mais elle se voit encore plus accrue sur la ville de Liège, qui a un territoire évidemment très étendu. Ce rapport sur les synergies, qui par le passé ne consistait souvent qu'en de vagues notes d'attention, prend à présent une dimension on ne peut plus concrète, dont l'apogée, bien sûr, sera le déménagement à la cité administrative, notamment des services RH ou des services informatiques, mais le directeur a fait la présentation dans les détails. Ce déménagement, outre une amélioration dans la performance administrative, aura également comme bénéfice d'importantes économies d'énergie. En termes de patrimoine, toujours, l'opération à l'abri de nuit rue sur la Fontaine, menée notamment grâce aux subsides obtenus via la politique intégrée de la ville, témoigne également de cette volonté des deux instances de répondre efficacement à la question du sans-abrisme en doublant la capacité d'accueil. En matière informatique, le CPS est véritablement entré dans le 21e siècle. Et le rassemblement avec les équipes de la ville permettra d'aller encore plus loin dans l'informatisation des procédures, toujours bien sûr avec pour objectif d'améliorer le service rendu aux bénéficiaires. En matière de personnel, la prise en charge par la ville du surcoût de 800 000 euros en matière de cotisation patronale pour permettre la nomination de quelques 80 agents en 2023 est également le témoignage d'une synergie qui présente des avantages en premier lieu pour les agents, bien sûr, mais également pour les comptes des deux institutions, que ce soit au niveau de la diminution de la cotisation de responsabilisation prise en charge par la ville, qu'au niveau d'une éventuelle, en tout cas qu'on espère, augmentation du FSAS. Enfin, comment ne pas souligner la prise en charge totale par la ville de l'entièreté du Mali des comptes du CPS de ces deux derniers exercices en augmentant la dotation communale à due concurrence. Nul n'a souvenir d'une telle compensation. Un dernier mot, enfin, concernant la politique de réinsertion sociale et professionnelle. Ma collègue Cécile Firquet, qui se trouve à ma droite, terminait son intervention lors du précédent Conseil commun, au mois de décembre de l'année passée, en sollicitant un monitoring de la réinsertion sociale. Ce n'était pas un simple vœu, puisque ce monitoring a été réalisé et la présentation a été faite devant le Conseil de l'action sociale il y a un mois de cela. Bon, alors certes, la tâche est grande si nous voulons concrétiser notre souhait de remettre à l'emploi, via les dispositifs des articles 60 et 61, un plus grand nombre de bénéficiaires, surtout dans la catégorie des plus jeunes. Mais le plan de gestion qui nous est soumis tend à nous en donner les moyens, et je l'en félicite. Et puis quand même, pour la réforme sur le règlement de travail, moi je réserverai toutes mes remarques au Conseil de l'action sociale qui suit la présente séance, puisque la présentation ne nous en a pas encore été faite.
dans les détails. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Vincent Bonhomme pour le PS, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les échevins, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues. Je commencerai par dire qu'effectivement, le groupe socialiste répondra à la présentation qui a été faite sur les synergies par Monsieur le Directeur Général et par Monsieur le Président du CPS. Parce qu'il y a eu des commentaires qui ont été faits sur la politique sociale du CPS et on ne peut que se réjouir de l'intérêt porté par les collègues sur la politique sociale du CPS. Mais comme ça a été rappelé, c'est l'objet généralement d'un conseil commun en fin d'année. En ce qui concerne les synergies, c'est un long chemin et c'est de nouvelles étapes qui sont en passe de se concrétiser. Alors, c'est toujours un mot qui fait un peu peur, mais faut toujours rappeler l'étymologie des mots. Ça veut dire collaboration et collaborateurs et collègues. Et c'est bien comme ça qu'entre la ville de Liège et le CPS de Liège, ça se passe. C'est un peu comme dans un ménage, mais chacun avec sa personnalité. On a déjà parcouru un certain chemin, on peut rappeler la fibre optique, les services IT, les archives, services d'impression, article 60, plan de cohésion sociale. Ça vient d'être rappelé par ma collègue également, l'intervention de par la dotation communale majorée. Du côté du CPS, c'est particulièrement important pour nous le fait de pouvoir intégrer la cité administrative et de pouvoir partager ces futurs locaux. Nous avons fait notre travail, nous sommes en cours de réorganisation des différents pôles au sein du CPS, c'est-à-dire pour clarifier les services à la population au travers du CPS, à travers un pôle social, un pôle d'insertion socio-professionnelle, un pôle administratif. Et l'intégration du CPS au sein de la cité administrative est évidemment un signal important en ce sens pour le CPS. Enfin, et j'en terminerai par là, les nouveaux postes de travail qui seront créés dans cette cité administrative, de même que au travers de l'organisation des pôles que nous faisons au CPS, vont permettre à nos travailleurs, et c'est une chose particulièrement importante pour la majorité, d'avoir des postes de travail modernes. Et quand on voit d'où on vient, eh bien, on ne peut que se réjouir du trajet déjà parcouru, mais encore des étapes qui vont être franchies en la matière pour garantir à nos travailleurs un environnement de travail agréable. Je vous remercie, Monsieur Bonhomme. Je demande à Monsieur Schreuer s'il veut bien confirmer. Oui, Madame la Présidente, j'aurais été très heureux de participer à ce débat, mais l'obstination du Collège communal à convoquer le Conseil à 17h rend le quotidien des conseillers qui travaillent totalement impossible. Je ne peux évidemment pas intervenir dans un débat en venant d'arriver maintenant. Et donc, voilà, cette obstination ridicule du Collège à convoquer le Conseil à une heure qui est impossible pour les travailleurs a des conséquences sur la démocratie locale à la longue. Je vous remercie. Eh bien, je pense que nous en avons terminé avec le conseil commun. Donc, je demanderai aux conseillers et conseillères de l'action sociale de quitter la salle. Et donc, je vous remercie pour votre travail. Oui, il y a bien une suspension de 5 minutes. Donc, à 25, je vous retrouve. C'est bien. Monsieur le directeur général, je vous invite à prendre les présences. Enfin, faire l'appel plutôt. Oui. Merci, Madame la Présidente. Donc, monsieur le bourgmestre est excusé. Sont présents. Monsieur Ambrosio est présent, doublement. En tout cas, il tient à le faire remarquer. Donc, sont présents Madame Mierna, Monsieur Stassard, Madame Defraigne, Madame Fernandez, Monsieur Forêt, Monsieur Chamas, Madame Ouigimon est excusée. Également présents Monsieur Léonard, Monsieur Hupkens, Madame Frépon, Madame Nikolic, Monsieur Fabrice Drez n'est pas là, Monsieur Kretels, Monsieur Bouknouch, Monsieur Edebault, Madame Lecron, Monsieur Lebussy, Monsieur Maniglia, Monsieur Schreuer, Madame Sall, Madame Omari, Madame Clotuche, Monsieur Sally est excusé,
également présent. Oui. Également présent, M. Gomez Garcia, M. Kosigit, Mme Wilmar, M. Rodinx, M. Eben, Mme Fassotte, Mme Defave, Mme Tuna, Mme Mercenier est excusée. Également présent, M. Potier, M. Ambrosio, Mme Dambourg, M. Aïdogdou, M. Étienne, M. Bouchat. Et Madame El Asnaoui, la présidente du Conseil. Voilà. Je vous remercie. Nous allons passer aux interpellations. Donc, la première interpellation est de Vert Ardent, de M. Eben et de Madame Virginie Godet. Création d'un camping à Liège, un projet vieux de plus de 10 ans. M. Eben, vous avez la parole. Oui, Madame la présidente. Alors, je ne sais pas à qui je m'adresse, en principe, je m'adresse à M. le bourgmestre. Notre commune a connu ces dernières années, et moi, l'inauguration de plusieurs nouveaux hôtels, ce qui est une très bonne chose pour améliorer, notamment l'offre touristique de notre ville. Mais ce mode de vacances n'est ni le seul, ni le plus accessible financièrement pour les classes populaires. De longue date, le projet de création d'un camping sur le territoire de la ville est évoqué. En 2012, un projet fut notamment porté au Thiers à Liège par la précédente majorité. 10 ans plus tard, cette idée de création d'un camping, au Thiers à Liège ou ailleurs, semble toutefois avoir disparu des cartons. On ne la retrouve par exemple plus dans la déclaration de politique communale. Pourtant, de nombreuses villes ont fait avec succès le choix du camping en milieu urbain, succès renforcé par le boom que connaissent les camping-cars. La ville étant propriétaire de plusieurs terrains, dont certains impropres à la culture, il nous semble que la création d'un camping communal doté d'une section pour accueillir les camping-cars serait très pertinente et bénéfique pour la vie touristique de la ville et son économie. Une structure pourrait notamment être lancée au départ de la régie autonome, aujourd'hui sous-utilisée, afin de gérer cette activité qui pourrait très probablement être financièrement rentable. La question est la suivante. La majorité actuelle serait-elle d'accord d'étudier cette proposition et si oui, dans quel délai? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Je vous remercie. Monsieur Hupkens, vous avez la parole. Voilà, monsieur le conseiller, effectivement, depuis de nombreuses années, la question de la création d'un accueil pour le logement en camping et camping-car alimente les débats. Plusieurs sites ont été envisagés et nous avons, il y a 3 ans, arrêté notre choix sur un terrain situé sur le site des Aguès. Ça tombe bien, c'est bien situé. On combine là-bas possiblement l'aire de motorhome et un projet de camping plus global. Cette affectation en camping a été inscrite dans le schéma d'orientation locale du canal de Lourdes. Ce site rassemble plusieurs critères pour accueillir un camping, accessibilité en auto, en vélo, présence d'un itinéraire touristique, facilité de mise en œuvre urbanistique, cadre paysager, proximité d'une centralité et faible concurrence avec d'autres projets éventuels. Nous avons là-bas une superficie de 2600 m² pour ce qui concerne la parcelle communal, anciennement bâtiment de voirie, ce qui permettrait d'accueillir plus d'une trentaine de motorhomes et des équipements tels que des bornes d'évacuation, des eaux usées, etc., tout ce qu'il faut. 1,6 hectare pour toute la zone de camping possiblement, définie au PCA du canal de Lourdes. Le site doit néanmoins être dépollué, ça tombe bien, vous souhaitiez un site impropre à la culture. Une étude a été commandée le 6 mai à la société SGS Belgium via la centrale d'achat de l'ASPAC. Celle-ci sert de préalable à une demande à présenter à l'ASPAC pour la dépollution. Une réunion d'avancement de l'étude a eu lieu récemment et les forages et analyses sont prévus durant la première quinzaine du mois d'août. Le rapport sur le risque de pollution sera remis durant le mois de septembre. Donc, nous pouvons dire que nous avons franchi un premier pas dans la concrétisation de ce projet vieux de plus de 10 ans. Je vous remercie. Monsieur Eben, vous avez la parole. Oui, je vous remercie pour ces bonnes nouvelles d'avancée. Vous ne répondez pas à une partie de la question quand même qui concerne la structure à mettre en place pour gérer le camping derrière. Nous, on propose que ce soit vraiment une structure communale gérée par la commune. Là, on parle de passer par une structure qui pourrait être liée à la régie autonome. Voilà, ça, on verra sur ces aspects-là. Et il y avait la question du timing aussi. J'entends le timing sur la dépollution, j'entends pas le timing sur la création du camping, mais on suivra ça avec attention. En tout cas, le dossier est à avance et c'est une bonne nouvelle. Je vous remercie. Je vous remercie. Interpellation suivante de M. Potier.
caméras mobiles pour lutter contre les dépôts sauvages, quel premier bilan ? Vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur l'Échevin, la question de la propreté est une préoccupation majeure qui doit faire l'objet d'une attention particulière. Mon interpellation a pour objectif de faire un focus sur la problématique des dépôts clandestins, un des aspects du problème qui en est aux augmentations. On sent dans votre chef, Monsieur l'Échevin, une volonté de renforcer l'aspect répressif de la politique de propreté de Liège. Ces dernières années, lors des débats budgétaires, des moyens budgétaires ont été annoncés afin de remédier à ce phénomène qui dégrade le cadre de vie des Liégeoises et des Liégeois. Il y a notamment l'investissement dans des caméras mobiles spécifiquement chargées de lutter contre les dépôts clandestins sur les points noirs du territoire, en collaboration bien évidemment avec la police. Il y a le budget 2021 qui prévoyait 100 000 euros destinés à l'achat de caméras exclusivement réservées aux incivilités environnementales. Ce budget avait été complété par l'achat de 3 caméras mobiles par la police, qui serait utilisé également, mais pas exclusivement, à la traque aux dépôts clandestins. Le budget 2022, il prévoit plutôt 100 000 euros pour l'achat également de caméras mobiles pour lutter contre les dépôts clandestins. Alors, il semblerait qu'un marché ait bien été lancé, que les caméras mobiles aient été livrées à la ville. Cependant, la mise en service de celle-ci coincerait au niveau politique, hein, j'utilise le conditionnel, il y aurait une différence de sensibilité entre les partenaires de la majorité sur cette approche plus répressive de la propreté. Alors voici mes questions, pourriez-vous faire un premier bilan de l'usage des caméras mobiles, hein, s'il y en a déjà sur le terrain, dans le cadre de la lutte contre les dépôts clandestins? Combien y a-t-il de caméras sur le terrain? Depuis quand? Combien d'infractions ont-elles été déjà constatées? Évidemment, s'il y a déjà des caméras sur le terrain. Et enfin, ma deuxième question, c'est un nouveau budget pour les caméras mobiles sera-t-il inscrit dans le budget 2023 de la ville? Voilà, je vous remercie d'avance. Je vous remercie, Monsieur Léchevin-Forêt. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le conseiller, comme vous le soulignez, un budget exceptionnel a été approuvé en 2022 en vue de passer un marché de services de caméras de surveillance destiné exclusivement à lutter contre les incivilités environnementales et les dépôts sauvages de déchets. Ces caméras, il y en a 4 effectives et 6 leurres, vont en effet venir renforcer le réseau des caméras de police qui, elles, sont appelées à couvrir un champ plus large de délits. Si le marché de services a bel et bien été attribué, nous finalisons actuellement leur déploiement. Comme je l'ai expliqué au Conseil, ces caméras seront disposées dans les différents quartiers en concertation avec les services de terrain, la police, les gardiens de la paix, les services de propreté, mais également les comités de quartier. Concernant la prolongation des budgets consacrés à ce marché de services, il est évident que nous pérenniserons cet investissement dans le temps, que nous sommes aussi convaincus que c'est une réponse concrète aux demandes répétées de nos concitoyens d'intensifier la lutte contre ces incivilités et de mettre fin au sentiment d'impunité, sanctionnant plus régulièrement les auteurs. Et alors, je voudrais rajouter aussi que les services de police ont effectué 500 opérations en 2021 avec les brigades de propreté, qu'il y a plus de 3300 PV qui ont été dressés pour 120 000 euros d'amende en plus des redevances. Donc je pense que là, il y a une très bonne collaboration entre les différents services, que la volonté du collège est unanime et que nous continuerons en 2022 grâce à ces outils, mais aussi avec d'autres dispositifs. Nous aurons l'occasion de revenir et de faire les évaluations de ces différents dispositifs. Je vous remercie, Monsieur Potier. Oui, je vous remercie, Monsieur Léchevin, pour votre réponse. Alors je prends acte, évidemment, de la volonté unanime de la majorité dans son ensemble de renforcer l'aspect plus répressif, hein, à côté de la prévention, hein, je m'en réjouis d'ailleurs. Je prends également acte de tous les éléments que vous avez évoqués, hein, les 4 caméras qui sont effectives, la finalisation du déploiement des autres caméras, des caméras de police, etc., que les investissements aussi seront pérennisés. Et voilà, moi je pense que, en tout cas ma vision, et on sent partager la même vision, c'est que finalement la lutte contre la malpropreté, il y a 2 jambes finalement. Il y a l'aspect répressif et il y a l'aspect plus préventif. Voilà, je vous remercie pour votre réponse. Ah oui, je voulais simplement clôturer en disant que ça serait peut-être bien, à un moment donné, dans quelques mois ou peut-être dans un an, de faire un petit peu le point à votre commission sur les résultats par rapport aux dépôts clandestins, faire un bilan. Et je reviendrai d'ailleurs là-dessus en commission en temps voulu.
Voilà, je vous remercie pour votre réponse. Je vous remercie. Interpellation suivante de Vert Ardent, de Madame Dambourg et de Monsieur Kretels. Liège, ville de Beaucoup savent ce qu'est le trail. Ce sont ces courses nature, plus ou moins longues, en milieu naturel, généralement sur des chemins de terre ou des sentiers de randonnée qui montent et qui descendent. C'est un loisir financièrement accessible à beaucoup et zéro carbone. Ceux qui connaissent et aiment Liège dans ses multiples recoins, cette ville à la géographie si particulière, savent qu'elle se prête admirablement à cette pratique. Les sentiers et chemins existent et certaines courses nature très appréciées les empruntent. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'Ultra Trail, une course qui a lieu tous les deux ans, organisée depuis plus de 15 ans, longue de plus de 60 km. Le potentiel est donc bien là pour des trails semi-urbains. Divers balisages existent déjà, par exemple les GR, et de magnifiques ouvrages les reprennent, par exemple le livre sur les 7 parcours à pied ou la carte Liège Orbital. Nous pensons qu'un balisage permanent permettrait à la ville de s'honorer du titre de Liège, ville de trail. On pourrait imaginer dans un premier temps 3 boucles, tant en rive gauche qu'en rive droite, de longueurs différentes, entre 10 et 20 km, avec des suggestions de connexion. Ces sentiers pourraient bien entendu être utilisés par des promeneurs ou des visiteurs. Nous y voyons de multiples retombées, tant au niveau santé, tant physique que psychologique, que au niveau touristique et économique. Tout cela dans l'esprit de chaîne de parcs mis en avant dans le projet de SDC. Nous vous rappelons que durant la période Covid, nous avons interpellé sur les chemins forêts sur le balisage de sentiers. On nous a parlé de nombreux projets. Nous espérons que ceux-ci verront rapidement le jour. Notre question est la suivante. Pouvons-nous imaginer qu'en dans un temps relativement bref, on puisse imaginer une réunion de tous les partenaires possibles et intéressés, dont nous, les conseillers, serions inclus, pour réfléchir à la concrétisation de ce projet qui intéresserait autant de nombreux Liégeoises et Liégeois que des touristes à la découverte de sentiers et paysages divers de notre ville. Je vous remercie pour votre réponse. Je vous remercie. Ce sera Madame Defresne qui vous répondra. Oui, je réponds à la place de Monsieur le Bourgmestre et donc je vais vous lire sa réponse. Madame la conseillère, Monsieur le conseiller, Liège accueille déjà plusieurs dizaines de jogging sur son territoire chaque année. S'ajoutent à cela de nombreux parcours qui existent déjà à différents endroits de la ville. Et je vais ajouter qu'effectivement, la chaîne de parcs est envisagée concrètement dans le SDC. Mais, précise Monsieur le Bourgmestre, à l'heure actuelle, il n'entre pas dans les priorités du collège d'investir des moyens supplémentaires dans la création de parcours de trail au vu de ce qui existe déjà. Bon, merci. Madame Dambourg, Monsieur Kretels. Alors là, je suis saisi, franchement, par cette réponse, parce que oui, je ne sais pas à vous que j'en ai, vous êtes une coureuse, en tout cas, on s'est connus déjà comme coureur. Non. Si, madame. Monsieur Kretels, mais moi, voilà. Vous me décantez, oui. Oui, vous êtes toute pardonnée. Mais je ne suis plus si coureuse que ça, vous savez. Je suis rangée des voitures. Non, je trouve que quand même là, il y a vraiment confusion totale dans l'esprit de Monsieur Bourgmestre, puisqu'il ne s'agit pas d'organiser des courses, ni même une course. Et il y a une spécificité trail qui n'est absolument pas existante actuellement à Liège. Je voudrais simplement, enfin, deux, trois choses. D'abord, signaler qu'il y a un livre qui vient de sortir de presse et qui a été unanimement salué par les médias, qui s'appelle « Je marche, donc je pense », qui est l'œuvre d'un philosophe, Roger Paul Droit, et d'un neurologue, Yves Annie, qui montre que la marche ou la course tranquille nous apaise, que les arbres nous immunisent et que la bonne humeur s'améliore et le quotient intellectuel également. Donc, voilà déjà des beaux arguments supplémentaires. Nous avons un beau potentiel à Liège. Et je termine en disant ceci. Permettez-moi juste cette comparaison, sinon on ne comprend pas bien. Quand je vois qu'il y a un soutien, et je ne le conteste pas nécessairement, pour les Beer Lovers, qui est un marathon auquel ne participent quasiment que des étrangers, très très peu de Liégeois, qui monopolise un nombre très très important de policiers, donc de frais indirects, enfin de frais pour la commune, alors que nous on vous propose ici une initiative
pour un balisage permanent, donc c'est toute l'année, c'est pas un jour, c'est gratuit, ça intéresserait les Liégeois, comme les touristes qui pourraient peut-être passer un jour en plus. Voilà, et alors vous avez des experts, on l'a dit, François merci. Avec l'Orbital, le livre Julien Hultz, Cette promenade à Liège, et nous autres aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, interpellation suivante, toujours de Verardon, de Madame Salle, de Monsieur Lebussy, Monsieur Eben et de Madame Godet. Le train de nuit et le tourisme ferroviaire, une opportunité pour Liège. Ce sera Madame Salle qui prendra la parole. Je vais interpeller et c'est mon collègue Quentin Lebussy qui répliquera. Je vous remercie. Alors, le train de nuit est de retour et il passe par Liège. En effet, depuis quelques mois, il est possible plusieurs fois par semaine de se rendre à Vienne. Vous vous endormez sous les arcs voûtés des Guillemins et vous vous réveillez dans la capitale autrichienne. Alors croisons les doigts, d'autres destinations sont annoncées, même si la crise sanitaire a retardé le développement de lignes vers l'Italie. Alors le retour du train de nuit suscite un véritable engouement, quand ce n'est pas une véritable Madeleine de Proust pour celles et ceux qui l'ont emprunté plus jeune. Alors d'une part par son grand confort, on peut dormir pendant le voyage, on ne doit plus se rendre à l'aéroport 2 heures avant le vol, payer un taxi ou soudoyer un ami pour nous y emmener à des heures très matinales, prendre des navettes pour relier l'aéroport à la destination finale. Désormais, on débarque en plein centre-ville. Et par ailleurs, Liège étant en début ou en fin de parcours sur la liaison vers l'Autriche, les horaires sont très confortables. Le départ est à 20h, on revient à Liège pour 8h45. Bref, tous des aspects organisationnels positifs, mais d'autre part, le train de nuit répond également à une envie grandissante de lier tourisme et écologie, de diminuer l'empreinte environnementale de nos déplacements et de prendre le temps de découvrir les paysages. Liège est donc un point de départ pour des vacances internationales et aussi un lieu de destination, d'autant que Vienne est une porte d'entrée de l'Europe centrale. Donc venant d'autres destinations. Il serait dommage donc que Liège se contente d'être un point d'arrêt, alors que la déclaration de politique communale entendait miser sur le tourisme et à positionner Liège sur la scène internationale. Nous proposons à la ville de saisir ces nouvelles liaisons comme une opportunité. Alors Liège a déjà fait le buzz à Cannes il y a quelques années, et donc nul doute que notre créativité peut se mettre au service d'un tourisme durable depuis et vers Liège. Nos questions sont les suivantes. La ville a-t-elle développé une campagne de promotion de la ville comme destination pour les Autrichiens? A-t-elle pris contact avec la municipalité de Vienne pour réfléchir à une stratégie touristique win-win? Et la ville va-t-elle valoriser le tourisme ferroviaire et les trains de nuit, notamment sur le site visiteliège.be? Je vous remercie pour vos réponses. Je vous remercie, Monsieur Pickens. Oui, quelle belle convergence, car notre option est effectivement de privilégier le tourisme ferroviaire. Dans cette optique, nous avons élaboré un plan de communication en deux volets. L'un qui est consacré à la Belgique, on n'en a pas parlé, mais c'est important, et l'autre à plusieurs villes de pays limitrophes avec lesquelles une liaison directe en train est possible. On pense à Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Lille, Mannheim, Dortmund, Francfort, Bonn ou Cologne. Une campagne a donc été commandée, plus particulièrement sur les médias digitaux. L'ensemble de nos outils, et notamment le site Visiter Liège, sera aussi mobilisé. De même, une campagne d'affichage relais dans les gares de référence est prévue. Alors, le vecteur particulier des trains de nuit est lui aussi l'objet de notre intérêt, puisqu'il nous permet d'étendre notre rayon d'action. Vous l'avez très bien dit, il met en 2 temps, 3 temps, puisque ce serait une valse, les arches de la gare Calatrava à portée de la Vienne impériale. L'annonce d'ailleurs du lancement d'une ligne Berlin-Bruxelles nous avait d'ailleurs amené à nouer contact avec les promoteurs, avec les porteurs du projet, qui a malheureusement été reporté. Si les indices de fréquentation, notamment via les données que nous collectons depuis quelques temps, via les opérateurs téléphoniques, des touristes autrichiens et d'Europe centrale sont relativement faibles, la liaison Vienne-Liège doit être exploitée comme une véritable opportunité. Et c'est bien sur cette hypothèse que nos services travaillent, nos partenaires du WBT nous épaulant d'ailleurs dans nos démarches. Je vous remercie. Monsieur Lebussy, vous avez la parole. Merci, Monsieur Pickens, pour la précision de vos propos. Pour avoir expérimenté, pas plus tard qu'au mois d'avril,
l'expédition aller et retour vers Vienne en famille qui plus est. Je ne peux que souligner le bien fondé de ce que vous expliquiez et de ce qu'expliquait Madame Salle. On constate aussi que dès qu'on évoque le train de nuit, pour beaucoup de gens, ça évoque des souvenirs et des souvenirs heureux. Pourquoi ? Parce que le voyage commence non pas dans un avion exigu et surchauffé, mais simplement en regardant le paysage défiler. Par ailleurs, le tourisme ferroviaire est un slow tourisme qui s'intéresse au patrimoine, qui donne le temps et pour lequel je pense que le territoire et ce que la ville de Liège peut proposer sont particulièrement adaptés. En termes de plan de communication, vous y êtes revenu. Il est probablement intéressant de voir à développer avec la SNCB, mais aussi avec les opérateurs internationaux, toutes les collaborations qui peuvent se faire. Je pense qu'on est, on est qu'au début d'une nouvelle aventure. Et pour honorer la mémoire de Jean-Louis Trintignant, je vous dirai que ceux qui nous aiment prendront le train. Voilà. Ceci dit, pour les paysages, la nuit, c'est moins bien. Je vous remercie. En interpellation suivante de M. Étienne. Pour les engager, semaine de la mobilité, journée sans voiture. Vous avez la parole. Je suppose que je m'adresse à M. Léchevin. Le mois de septembre n'est plus très loin, ainsi que sa semaine de la mobilité. Ces dernières semaines, nous avons pu entendre à Bruxelles la volonté d'étendre la journée sans voiture, initialement réalisée lors de la semaine de la mobilité, à d'autres moments de l'année. Jusqu'à présent, Liège a déjà réalisé des actions plus ou moins similaires dans le passé, à l'exception qu'il ne s'agissait que de quelques tronçons rendus inaccessibles aux véhicules. Au vu de la situation du chantier que connaît notre ville, l'organisation d'une journée sans voiture permettrait à tout un chacun de se réapproprier l'espace routier et l'espace public. Par conséquent, ne pourrions-nous pas envisager une journée sans voiture, étant que possible, pas uniquement la concentrer au centre-ville, mais également à sa périphérie? Et le cas échéant, pouvez-vous m'indiquer si Liège s'est inscrit effectivement dans la semaine de la mobilité et quelles seront les actions menées? Je vous remercie. Monsieur Forêt. Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller, je vous confirme que le collège et la ville de Liège avec ses services seront engagés une année supplémentaire dans la semaine de la mobilité puisque nous avons déjà commencé à organiser le mois de septembre avec cette semaine. Nous allons organiser plusieurs activités à destination de plusieurs publics. D'abord les écoles, dans lesquelles nous nous sommes engagés dans un programme très ambitieux avec toute une série de programmations, notamment de sensibilisation à la sécurité routière, mais aussi dans la réalisation d'une brochure qui permette aux écoles, aux associations de parents de pouvoir se rendre compte des disponibilités et surtout des possibilités ouvertes et offertes pour justement instituer une mobilité alternative autour de l'école. Nous allons aussi travailler avec les associations dans le cadre de Retrouvailles, où nous allons rééditer l'édition du Village de la mobilité avec une vingtaine d'organisations qui viendront expliquer toutes les possibilités de la mobilité active douce sur le territoire de la ville de Liège. Et puis, avec le directeur général, avec Madame Léchevin en charge du personnel, nous avons aussi l'ambition de continuer à développer une mobilité alternative au sein de notre ville, avec des possibilités qui ont été d'ailleurs transcrite dans le nouveau statut de la ville de Liège. Et ça, je pense que c'est important, parce que la ville doit être exemplaire en matière de mobilité alternative. Et donc, tous ces publics seront concernés, puisque nous organiserons avec les agents de la ville un petit déjeuner autour de ces modes alternatifs. Par rapport maintenant à la journée sans voiture, je pense qu'avec toutes les activités que nous sommes déjà en train d'organiser, il sera compliqué, notamment en raison de la difficulté des chantiers sur la ville de Liège, d'organiser cette journée sans voiture cette année, mais nous n'excluons pas de le faire l'année prochaine ou plus tard. Mais je pense qu'à un moment, il faut pouvoir aussi converger nos forces et surtout pouvoir aller atteindre toute une série de publics. Nous le faisons de manière assez ciblée, et ça, c'est important. Je vous remercie, Monsieur Léchevin. Monsieur Étienne. Merci pour vos réponses, et je suis ravi d'entendre un peu toutes les propositions qui sont faites dans le cadre de cette semaine. Je suis assez d'accord sur le fait que la ville doit être exemplaire et son personnel également. Un peu plus déçu concernant la journée de la sans voiture. Je pense que notre ville connaît un petit peu maintenant une situation d'immobilité. Même si la semaine de la mobilité n'est finalement qu'un moyen supplémentaire pour rappeler que nous devons aller vers l'avant, c'est également l'occasion de montrer les avancées en matière de mobilité et de montrer le futur. Et j'aime à penser que le futur de la ville ressemblera plus à une journée sans voiture qu'à sa situation actuelle. Je vous remercie.
Je vous remercie. Interpellation suivante du PTB de Madame Sophie Lecron, non à l'extension du parking payant à Liège. Oui, je vous remercie. Alors, vous prévoyez dans le plan de gestion de doubler le nombre de places de parking payantes à Liège, passant de 4 500 à l'heure actuelle à 9 000, et de supprimer la période de gratuité pendant les fêtes pour récupérer 3 millions via les eurodateurs, amendes et nouveaux abonnements. Alors, ça va faire mal aux Liégeois qui sont déjà frappés par la crise du pouvoir d'achat. On a par exemple une aide-soignante, Inès, qui nous dit « Je dois me déplacer chaque jour en voiture en ville pour aller voir mes bénéficiaires. Comme toutes mes collègues, je n'ai pas le choix. Je cherche des places gratuites, ce qui me met souvent en retard et diminue le temps que je peux passer avec chaque bénéficiaire. Je ne saurais pas payer pour me garer tous les jours. Je ne sais pas comment je ferai sans place gratuite et l'abonnement annuel à 600 euros est tout simplement impayable. » Alors que dire des chauffagistes, des plombiers, infirmières à domicile, enseignants et des milliers de travailleurs et de travailleuses qui ont besoin de leur voiture parce qu'ils font X déplacements par jour, qu'ils ont du matériel ou habitent loin. Eux qui nous alertent régulièrement déjà parce que la situation est très compliquée aujourd'hui et qui n'ont aucune alternative. Et avez-vous pensé aux commerçants en souffrance? Qui viendra encore dans les commerces du centre s'il faut payer pour se garer? Alors, cette taxe qui ne dit pas son nom est la seule mesure concrète que vous proposez pour désengorger la ville. Au lieu de faire payer les Liégeois, si vous mettiez toute votre énergie sur le développement de vraies alternatives, développer les bus gratuits en suffisance, développer autour de la ville un réseau P+R avec navette gratuite, rouvrir la gare Vive-Nice en collaboration avec la SNCB, une vraie politique du vélo, des expériences comme à Dunkerque, montrent que ce n'est qu'une fois que ces alternatives sérieuses sont mises en place, nous pouvons réellement désengorger un centre-ville. Et que dire alors que j'ai eu la confirmation que vous, membres du collège, avez des places de parking gratuites et sécurisées dans les parkings Saint-Georges et de la Cité? Allez-vous retirer ces mesures antisociales de vos plans et commencer par mettre en place de vraies alternatives et répondre réellement aux problèmes de mobilité à Liège? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Léchevin-Forêt. Merci Madame la Présidente, Madame la Conseillère. Depuis 2 années, désormais, la ville s'est inscrite dans une politique de mobilité guidée par le principe STOP qui met en avant les mobilités actives et les transports en commun avant la voiture individuelle, sans pour autant la diaboliser ou la bannir de l'espace public. Une ville apaisée en termes de mobilité ne peut se satisfaire d'une vision où la voiture reste prédominante et où les autres modes ne disposent pas d'un espace plus important. Et donc, il est très important, en effet, de rééquilibrer l'espace public qui n'est pas extensible, comme vous le savez. Et donc, nous travaillons à créer des pistes cyclables, à installer du stationnement vélo, à faire en sorte que le tram puisse circuler, à faire aussi en sorte que l'on puisse réorganiser le réseau de bus. Et pour cela, il faut évidemment réorganiser l'espace public et nous y travaillons, vous le savez très bien. Je voudrais vous dire aussi que l'augmentation de la zone payante, et le dire aussi à Inès, vous lui pourrez lui traduire mes propos, que ce n'est pas demain, c'est aussi à l'aube de la réalisation du tram, de la réalisation des parkings alternatifs qui vont permettre un maillage et surtout une offre alternative de stationnement. Et donc nous allons évidemment travailler avec tous les services, avec tous les niveaux de pouvoir pour faire en sorte que ces P+R soient attractifs, que celles et ceux qui nous rendent visite, qui viennent travailler à Liège, qui viennent aussi étudier, puissent privilégier ces espaces de stationnement. Mais il est évident qu'il y a aussi d'autres personnes qui viennent en ville, qui viennent soigner nos concitoyens, qui viennent réparer les toits, qui viennent réparer évidemment les habitations. Et donc il faut aussi trouver, et c'est bien l'intention du collège, des alternatives qui leur permettent de pouvoir travailler, stationner à des prix alternatifs, en tout cas avantageux. Et donc nous y travaillons, et comme je l'ai dit en commission la semaine passée, le plan de stationnement fera l'objet d'un débat ici au Conseil communal, et nous allons tous ensemble trouver les bonnes solutions et le bon équilibre, car la ville de Liège doit aussi protéger ses riverains qui font face à une pression automobile très importante dans leur quartier. Nous devons aussi permettre aux commerçants de pouvoir être attractifs et proposer des places de stationnement qui sont libres quand les gens veulent venir faire les achats dans leur commerce en voiture, parce que parfois, en effet, certains viennent en voiture faire leurs achats. Et donc, voilà, je pense que ce plan de stationnement qui reviendra sur la table du Conseil communal sera un plan de stationnement ambitieux qui prend en considération toutes les réalités de la vie en ville. Je vous remercie, Madame Lecron.
Oui, je vous remercie. Mais voilà, oui, j'entends bien le plan de stationnement. Je vous ai posé beaucoup de questions en commission hein, sur ce plan de stationnement. Donc, quand ce sera appliqué, enfin, d'abord, quand on aura le contenu du plan, ce qu'il y aura dedans, quand on pourra le mettre en pratique. À toutes ces questions, je n'ai eu aucune réponse. Vous ne savez pas me répondre ou vous ne voulez pas me répondre, je ne sais pas. Dans les deux cas, ça ne change rien. Donc, Monsieur... pour l'instant, il n'y a pas de plan de stationnement. Il n'y a pas non plus d'alternative pour l'instant. Bien sûr, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et le principe stop, mais ce n'est pas qu'un principe, ça doit se mettre en pratique. Et là, pour l'instant, à Liège, enfin, ouvrez la fenêtre, regardez par la fenêtre. Il n'y a pas besoin de faire 50 mètres pour voir qu'on a un gros problème de mobilité. Tous les Liégeois et les Liégeoises le vivent dans leur trip. Il n'y a pas d'alternative pour l'instant. Voilà, on n'a pas de plan stationnement et donc dans ce cadre-là, on vous demande clairement de retirer cette mesure du plan de gestion tant que là, les alternatives n'existent pas. Vous mettez le problème dans l'autre sens. D'abord, vous mettez les sanctions, vous allez chercher les 3 millions et après, vous allez nous dire comment on va faire. C'est une sanction de reprendre 3 millions dans les poches des travailleurs et des travailleuses dans un cadre comme celui-ci, Monsieur Forêt, bien sûr. Je vous remercie. Interpellation suivante, toujours du PTB, de Madame Fassotte. Geler l'encadrement pour réchauffer un quartier, le personnel des écoles sinistrées doit être maintenu. Et ce sera Monsieur l'échevin Jean-Pierre Hupkens qui vous répondra. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors les écoles des quartiers sinistrés d'Angleur et de Chesnay connaissent toujours des difficultés importantes. La rénovation des locaux prend du temps. La perspective que son enfant ait cours dans des containers plutôt que dans des vraies classes ou que le matériel nécessaire aux apprentissages ait été endommagé a pu décourager certains parents. La rénovation du quartier tout entier est loin d'être terminée et certaines familles ont dû déménager le temps que les travaux se fassent, déplaçant provisoirement leurs enfants dans d'autres écoles. Il y a donc un déficit d'inscrits qui menace ces implantations d'une perte de profs et d'éducateurs puisque le nombre de membres du personnel est corrélé au nombre d'élèves. Pérenniser l'équipe pédagogique en place permet d'assurer un encadrement optimal, en stabilité en nombre, surtout si des élèves reviennent en cours d'année parce que leur maison est rénovée. S'ajoute à cela le fait que, comme toutes les écoles, celles des quartiers sinistrés sont touchées de plein fouet par la réforme des pôles territoriaux. Et l'aide particulière accordée il y a presque un an par la ministre à cause des inondations se fait toujours attendre. Pour la rentrée 2021, la ministre avait accepté de partir sur les bases de 2020. Les syndicats demandent qu'il en soit de même pour 2022. En tant que représentant d'un gros pouvoir organisateur et collègue de parti, vous avez un rapport de force susceptible de faire pencher la balance dans une discussion avec Caroline Désir. Nous parlons ici de quartiers durement touchés par les inondations et qui ont plus que jamais besoin de revivre. L'école est un lieu de rencontre, de convivialité, en d'autres mots de lien, qu'il est essentiel de préserver et d'entretenir. Mes questions sont les suivantes. Quand ces écoles vont-elles rouvrir leurs vraies classes ? C'est-à-dire rénover. Allez-vous enjoindre la ministre à geler l'encadrement des écoles fondamentales d'Angleur et de Chesnay, ainsi que de Lictia, pour la rentrée 2022 sur base de ce qu'il était en 2020 ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Monsieur Léchevin, vous avez la parole. Oui, Madame la conseillère. Permettez-moi d'abord, puisque vous ne l'avez pas fait, de remercier les services communaux qui, sous l'autorité de mon collègue Roland Léonard, ont non seulement pourvu aux plus urgents, mais aussi travailler sans relâche pour remettre les écoles sinistrées en état. C'est une vraie performance. L'école de Chesnay-Grandpré, je réponds à une de vos questions, doit quitter les bâtiments provisoires dès juillet prochain pour réintégrer ses locaux rénovés et l'activité dans les écoles d'Angleur a pu reprendre. Alors, différents courriers émanant de notre collège, le dernier en date du 4 avril, ont été adressés et relayé à la ministre Désir afin d'obtenir le maintien de l'encadrement pour l'ensemble des implantations impactées par les inondations. Des mesures de soutien sont arrêtées et seront officialisées dans les prochaines heures par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne doute pas que vous en ayez déjà connaissance. Les écoles ont eu donc à souffrir de la baisse de population liée aux inondations et situées sur notre territoire seront donc très vraisemblablement soutenu dans le cadre de ces mesures, et j'ajoute qu'une clause de rendez-vous, comme on dit à la rentrée, est également, semble-t-il, envisagée. Je vous remercie, Madame Fassotte. Le fait que les écoles fondamentales dont vous parlez vont pouvoir regagner leur vraie classe, c'est vraiment super. Maintenant, à Lictia, ça paraît plus compliqué, étant donné que les outils de travail
techniques sont coûteux, donc j'imagine que ça prendra plus de temps. Mais je voulais ajouter qu'il en faut de l'énergie aux enseignants pour sauver leurs écoles. Hein. C'est grâce notamment à la mobilisation devant l'ICTIA que la ministre a accepté de geler la moitié du nombre des membres du personnel dans les écoles sinistrées, donc 50%, et on est quasiment le 30 juin. Est-ce que vous allez vous lancer avec eux dans le combat pour obtenir l'autre moitié pour le 1er septembre? Le granité proposé n'est pas suffisant. Les écoles ont besoin de plus d'ambition. Allez-y. Je vous remercie. Bonjour. Interpellation suivante, toujours du PTB, de Madame Defau et de Monsieur Gomez Garcia, sans toit libre à tout âge. Je donne la parole à Madame Defau. Merci. Crise du coronavirus, explosion des prix de l'énergie, des carburants et de tout le reste. Salaires bloqués et loyers élevés. Le budget des travailleurs est soumis à une pression de plus en plus extrême. Les niveaux de pauvreté et de précarité augmentent. Les femmes y sont encore plus exposées, puisqu'elles sont plus nombreuses à occuper des emplois mal rémunérés, à temps partiel ou à renoncer à l'emploi salarié pour s'occuper de leur famille. Beaucoup de gens font une croix sur certaines dépenses de base pour pouvoir manger. Dans pareille situation, l'achat des protections menstruelles passe au second plan. Or, c'est un véritable besoin pour toutes les femmes. La ville a pris en compte ce besoin en mettant sur pied l'opération Sans Toit Libre, destinée aux jeunes de 12 à 26 ans. C'est une bonne chose, mais la menstruation ne s'arrête pas à 26 ans. La précarité non plus, et le besoin de pouvoir vivre son cycle dignement non plus. Le PTB propose dès lors d'élargir ce projet pilote à toutes les personnes menstruées sans limite d'âge, et de mettre à leur disposition des protections variées gratuitement via des relais communaux et les associations liégeoises d'aide aux personnes précarisées. En effet, elles sont au plus proche du terrain, elles entretiennent des liens de confiance avec leur public cible qui les contactent déjà pour obtenir des protections. Elles dépendent toutefois de dons qui ont fortement diminué. De plus, les subsides qu'elles reçoivent de la région wallonne ne seront plus indexés cette année. Dès lors, comptez-vous élargir le projet Sans Toit Libre aux personnes concernées sans limite d'âge? Si oui, appuierez-vous sur la grande expérience du terrain, des associations de terrain, pour organiser la distribution de ces protections? Merci. Je vous remercie. Ce sera Madame Lechfine Fernandez-Fernandez qui vous répondra. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Conseillère. Je ne peux évidemment que partager vos constats concernant la précarité menstruelle, qui ne touche pas que les femmes, parce qu'il y a des personnes menstruées qui ne sont pas femmes. Ce sont ces mêmes constats qui ont poussé le Collège à lancer le projet pilote Sans Toit Libre il y a déjà quelques mois, comme vous venez de le rappeler. Projet duquel je me permets de vous rappeler certains éléments. L'opération Sans Toit Libre est un projet qui se veut pilote, financé uniquement par la ville de Liège à hauteur de 93 100 euros, utilisant une aide fédérale dans le cadre du soutien à la jeunesse dans le cadre de la crise Covid. Pour vous prouver l'importance que le Collège porte à cette problématique, le projet Wallon du même type auquel vous avez fait référence est lui d'un peu plus de 400 000 euros pour l'ensemble de la Wallonie. J'insiste sur le mot « pilote » en ce qui concerne le projet liégeois, puisque c'est un premier pas, une première tentative qui vise donc à étudier la faisabilité et la nécessité d'une telle politique à Liège, nécessité qui s'est confirmée au vu du succès de l'opération. La volonté de la ville est de distribuer une moyenne de 15 euros de protection périodique de différents types par personne, ce qui vaut à environ 3 mois de protection. Tant pour le choix des produits que le prix moyen par personne, nous nous sommes basés sur l'étude effectuée par le Conseil francophone des femmes de Belgique. Rien que pour pouvoir couvrir l'entièreté de la population liégeoise de personnes menstruées de 12 à 26 ans, public visé actuellement par Sans Toit Libre, soit 17 000 personnes environ, il faudrait 255 000 euros pour 3 mois, soit plus d'un million l'année. On estime aussi à plus d'un million d'euros également pour la tranche d'âge des 12-50 ans pour l'équivalent d'un trimestre. Je vous laisse donc calculer ce que ça coûterait annuellement. Je suis bien placée pour savoir que la menstruation ne s'arrête pas à 26 ans. Le budget disponible pour cette opération étant bien insuffisant pour couvrir l'ensemble de la population, nous avons choisi un groupe cible, les 12-26 ans.
Ce groupe de la population est en effet souvent le plus à risque en termes de précarité menstruelle, en termes financiers, mais aussi en termes de choix de sa protection. Il existe déjà à Liège d'autres projets de lutte contre la précarité menstruelle. Il y a notamment le projet des femmes prévoyantes socialistes Sans Souci, en collaboration avec la région Wallonne, qui elle met à disposition des protections pour les personnes précarisées de tout âge dans différentes associations. Pour en revenir au projet liégeois, à ce stade, 1 000 personnes ont pu bénéficier de protections menstruelles de leur choix. Et le projet n'est pas encore terminé. Différentes actions vont être prévues durant cet été afin de toucher un public plus large de jeunes, tant pour les informer du projet que sur la menstruation de façon générale. Voilà, madame. Je vous remercie. Monsieur Gomez-Garcia. Oui, merci, madame la présidente. Donc, oui, madame Lechevin, vous avez effectivement expliqué que c'est bel et bien un projet pilote et qu'il y a des réalisations concrètes, et nous en réjouissons. Vous avez également signalé qu'il y aurait une extension cet été, mais, et donc il y a des moyens qui sont mis et par la ville dans ce projet pilote, et aussi des aides de la région Wallonne. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On ne peut qu'applaudir à deux mains. Mais par rapport à la question que ma camarade Céline Defoe a posée, donc c'est comment la ville, peut-être pas toute seule, ce n'est pas ça qu'on dit, mais comment la ville, vos services, avec l'appui de la région Wallonne éventuellement, comment est-ce qu'on va faire pour aider les personnes au-delà de 26 ans? Donc, on l'a rappelé, donc c'est vraiment des problèmes qui viennent du terrain par les associations qui s'occupent de personnes en précarité. Et donc, c'est ça que nous demandons concrètement, c'est quelles sont les démarches que vous allez entamer. Merci. Je vous remercie. Interpellation suivante de Madame Neupré, MR pour Liège, concernant le permis de détention d'un animal de compagnie. Et ce sera Madame Defraigne qui vous répondra. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Première Échevine, sous l'impulsion de la ministre Tellier, le Parlement wallon a voté récemment un décret qui instaure un permis pour acheter un animal domestique. Ainsi, dès ce 1er juillet, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé sur les réseaux sociaux, il fera présenter un permis pour acquérir, que ce soit acheter, adopter ou recevoir, un animal de compagnie. Les commerces, les refuges et les élevages devront demander à toute personne qui souhaite adopter, acheter ou recevoir un animal de compagnie de fournir un extrait de fichier central. Cela concerne toutes les nouvelles acquisitions. Ce permis doit être délivré par la commune où réside le futur propriétaire. Néanmoins, jusqu'il y a peu, vous indiquiez que les communes ne disposaient d'aucune information permettant l'application concrète de cette norme. Alors, Madame la Première Échevine, mes questions sont les suivantes. Disposez-vous aujourd'hui de nouvelles informations? Si oui, pouvez-vous nous en dire plus? Alors, à votre sens, le délai pour appliquer le décret est-il suffisant pour une mise en œuvre aussi rapide que ce 1er juillet, donc c'est-à-dire dans quelques jours? Avez-vous pris des contacts avec vos homologues d'autres communes pour échanger sur une méthodologie permettant cette mise en œuvre rapide? Et enfin, les professionnels du secteur sont-ils concernés par l'obligation de demander l'extrait du fichier central lorsqu'ils souhaitent acquérir l'animal? Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Madame Lechevin. Voilà. Pour être très précis, hein, le Code du bien-être animal voté en 2019 prévoit ce permis, mais il est présumé. Et donc l'innovation ici réside dans le fait qu'il faut, via donc, une circulaire, il faut maintenant obtenir un permis et faire des démarches administratives pour cela. Alors nous sommes allés à la pêche aux informations. Et nous avons reçu le 22 juin une newsletter de la région Wallonne qui nous informait de la procédure. On avait contacté la ministre auparavant, mais sa réponse était arrivée le 20 juin. Et donc concrètement, à partir du 1er juillet, chaque citoyen qui souhaite acheter, recevoir ou adopter un animal devra présenter un extrait du fichier central de la délinquance environnement du bien-être animal. Et donc ce fichier établira que la personne n'est pas sous le coup d'une interdiction de détention ou d'une déchéance de son permis de détention. Alors clairement, le délai n'est pas suffisant. On a cherché plusieurs pistes, soit vers son papier, soit via e-guichet. Dans un cas comme dans l'autre, le délai d'une dizaine de jours laissé aux communes pour organiser pratiquement et concrètement la délivrance est évidemment trop court. On ne dispose pas du fichier central qui permet de délivrer ces documents. Et donc la ministre a annoncé une période d'adaptation jusqu'au 30 septembre. Et à cette date, les personnes qui ont
transporter un animal, enfin, ou acheter un animal depuis le 1er juillet 22 devront renvoyer la preuve de détention du permis. Et donc, ce délai nous permettra de travailler dans de meilleures conditions. Nous avons des contacts nourris avec d'autres communes, et dont la ville de Namur, qui ont reçu les mêmes informations aux mêmes dates. Alors, l'extrait aura une validité de 30 jours. Donc, ça se périme comme les yogourts. Et donc, ça veut dire qu'il faudra refaire la démarche. Et donc, cette mesure un peu top-down est une charge administrative colossale pour les communes qui méritaient davantage de temps pour l'appliquer. Mais on va essayer de se débrouiller. Alors, pour répondre à votre question, les professionnels ne sont pas visés. Ils ne devront pas fournir cet extrait. Donc, seuls les particuliers qui veulent adopter, acheter un animal de compagnie devront montrer patte blanche. Et l'obtention d'un animal à des fins économiques n'est pas visée par le décret de délinquance environnementale. Merci beaucoup, Madame Nepré. Madame la Première Échevine, je vous remercie beaucoup pour vos précisions. Alors, on peut se réjouir de cette période d'adaptation, donc jusqu'au 30 septembre. Alors, visiblement, c'est extrêmement complexe d'obtenir un extrait, de surcroît sa validité limitée. Alors, est-ce que vous avez envisagé une collaboration avec l'échevinat de Madame Frépon? Comment envisagez-vous un petit peu les choses par rapport à ça? Et pour le reste, on peut regretter, comme vous, bah, le fait d'avoir voté cela sans concertation avec... C'est pas voté, hein, c'est vraiment l'exécutif, c'est oui. La ministre elle-même qui a fait une décider circulaire. D'exécuter, d'accord. Bah, on peut regretter que ce soit aussi rapide, sans concertation avec les communes. Merci. Je vous remercie. Interpellation suivante, toujours de MR pour Liège, de Monsieur Rodens. L'élagage du parc Comer au Laveu. Je vous remercie, Madame la Présidente. Cette interpellation concerne notre échevin, Monsieur Gilles Forêt. Monsieur l'échevin, nous connaissons tous l'attention particulière que vous portez à la qualité de nos espaces verts. Compte tenu de l'actualité du jour, je me permets sur une boutade de préciser, je ne parle pas de la première échevine. Je ne voudrais pas qu'on dise ce soir coureuse et toujours verte. Plus vrai, sérieusement, oui, c'est vrai. Plus sérieusement, je votre intérêt. Vite, hein. Plus sérieusement, votre intérêt se concrétise notamment par les mesures que vous prenez pour l'entretien de ces espaces et dans le cadre du plan Canopée. Le parc Comer situé au Laveu comporte notamment un espace boisé et des mares. De nombreux habitants du quartier m'ont interpellé quant aux travaux d'élagage réalisés dans la partie boisée. La qualité de ces travaux est remise en question. Il m'est rapporté que des branches mortes ou gênant le passage n'ont pas été enlevées ou que l'élagage semble avoir été réalisé en dehors des règles de l'art. Le nettoyage des mares est assuré régulièrement par des bénévoles que nous remercions au passage. Toutefois, depuis 2 ans, un curage en profondeur doit être réalisé, nécessite notamment l'emploi d'une pelle mécanique. De grosses pierres et des racines incrustées doivent être retirées. Pouvez-vous programmer une réunion sur place avec les différents intervenants du dossier afin de faire le point sur ces 2 sujets et programmer des actions qui s'imposent? Nous pourrions également y aborder les pistes d'amélioration de cet espace vert prisé des habitants du quartier du Laveu, auquel je sais vous tenez. Je vous remercie, Monsieur l'échevin. Monsieur l'échevin Forêt, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le conseiller communal, je vous remercie pour votre question qui va me permettre de faire le point sur la situation du parc Comer. Les services de la foresterie urbaine m'ont assuré que les différentes interventions ont bien été réalisées dans les règles de l'art pour permettre la bonne conservation des arbres et de la biodiversité de l'espace. Ils ont réduit les branches en surplomb des propriétés privées du réseau électrique aérien. Ils ont aussi transformé en chronoxyle certains arbres morts tout en mettant les zones en sécurité et aussi abattu certains arbres morts et évacué ceux-ci. Donc, en ce qui concerne les mares, c'est vrai qu'il y a une participation des citoyens, des riverains, et je les en remercie aussi pour leur implication pour la préservation de cet espace vert. Ils ont aussi été accompagnés de services techniques qui ont indiqué que l'utilisation des pelleteuses, pour le moment, était compliquée afin de préserver l'ensemble du biotope et de la perméabilité de la pelouse environnante et que les températures clémentes faisaient qu'il était important de ne pas non plus perturber la ponte des grenouilles. Donc je pense que là, il faut aussi tenir compte de tout cet environnement, de toute cette réalité sur l'espace. Et donc moi, je m'en remets à la...
à l'expérience et surtout au professionnalisme de nos équipes. Je remercie encore toutes celles et tous ceux dans le quartier qui contribuent à la préservation de cet espace. Et je vous propose que l'on se retrouve prochainement sur site pour pouvoir avoir une discussion entre les différents acteurs de la préservation de cet espace et de pouvoir comme ça convenir de la manière dont les choses se passent et que l'on puisse en effet préserver cet écrin de verdure important comme nous essayons de le faire dans tous les quartiers de la ville de Liège. Je vous remercie, Monsieur Léchevin, Monsieur Rodens. Je vous remercie, Monsieur Léchevin, pour ces précisions techniques que je ne vais pas manquer de relayer aux différents habitants du quartier. Et je vais évidemment relayer votre proposition de les rencontrer. Je pense que ça permettra d'aboutir à des solutions pratiques dans l'intérêt de ce parc et que ça permettra aussi d'aborder l'avenir de ce parc et tout son intérêt pour le quartier. Je vous remercie. Voilà, je pense que c'est surtout important de pouvoir expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait, dans quel cadre Monsieur on Léchevin. Le fait. Et je voulais simplement dire qu'en novembre, il y a une opération qui est prévue pour la marche. Monsieur Léchevin, merci beaucoup. Interpellation suivante de Madame Clotuche, désengagée, relative à l'accessibilité des commerces et bureaux durant le Festival des Ardentes. Vous avez la parole. Je vous remercie. Donc l'accès pour les commerçants et les indépendants à leur activité professionnelle est nécessaire, même pendant les Ardentes. Et pourtant, au moment de la rédaction de mon interpellation, il m'est revenu que la rue du village ne serait pas accessible comme d'habitude et qu'il serait prévu de fermer la rue. Cette situation inquiète un indépendant qui m'a interpellé, qui emploie 10 personnes et dont l'activité ne peut absolument pas être stoppée à cette période de l'année. Celui-ci a interpellé le commissariat de police ainsi que les organisateurs du festival et le 22 juin, il n'avait toujours reçu aucune information le rassurant quant à l'accessibilité sans encombre à son bureau pour lui-même, ses collaborateurs ainsi que ses clients. Et donc je me posais les questions suivantes, c'est avez-vous procédé à l'inventaire des commerces et bureaux qui seront empêchés de travailler du fait de l'organisation du festival et si oui, prévoyez-vous de prendre des contacts avec ces personnes et quelles sont les solutions envisagées? Je vous remercie pour vos réponses. Madame Defraigne, vous avez la parole. Voilà, je réponds pour Monsieur le Bourgmestre. Madame la conseillère, en réponse à votre interpellation, je peux vous informer que, tout comme pour les riverains, nous avons été particulièrement attentifs à permettre l'accessibilité au commerce. Diverses mesures ont été prises par l'organisateur, notamment en créant des navettes de bus et de nombreux parkings pour les festivaliers. Ces mesures ont pour objectif de faciliter la mobilité aux alentours du site. La police locale et fédérale sera ou seront bien entendu présentes, en ce compris sur le réseau autoroutier. À proximité du site, une zone est réservée aux riverains. Des contrôles d'accès seront organisés. Pour la sécurité des festivaliers, la chaussée de Tongue sera fermée à la circulation au niveau de la rue du village. Des contacts ont été pris avec les commerces et les entreprises situées dans ce périmètre afin de convenir des modalités pour l'accès de leurs clients. Aucune activité n'est mise à l'arrêt. Les ambulants et autres food trucks seront quant à eux interdits dans la zone riverain. Les actions sont menées en concertation avec ANS. Durant toute la durée du festival, un poste de commandement sera ouvert avec notamment un point d'attention à la mobilité. Je comprends évidemment que malgré toutes ces mesures, certains commerçants restent inquiets, notamment parce qu'ils ont peur d'être envahis par les festivaliers. Nous restons évidemment à leur écoute et tout sera mis en œuvre pour trouver les solutions les plus appropriées. N'hésitez pas non plus à intervenir à ce sujet. Un débriefing de la situation sera organisé avec eux. Madame Clotuche. Oui, merci. Mais je pense en fait que ce n'est pas tellement les navettes, même si c'est très bien, et le fait qu'il y aura des festivaliers, c'est plus ici un accès à leur commerce, ou en tout cas à l'endroit dont je parle, c'est plutôt un indépendant qui a une équipe de 10 personnes et qui se tracasse. Bon, pour ne pas le citer, c'est un bureau comptable et c'est la période de clôture, de TVA, ils ne peuvent pas fermer. Et donc, ils se tracassent parce qu'ils se disent comment est-ce que mes clients vont venir jusqu'à moi. Alors, c'est vrai qu'on parle des passes, mais ça, c'est plus pour les riverains. Et donc, voilà, je retournerai vers la personne et si jamais elle n'a pas les informations nécessaires, je transférerai le mail parce que, voilà, il ne faut pas que des personnes soient empêchées de travailler, surtout dans les périodes importantes pour les indépendants. Voilà, je vous remercie.
Je vous remercie. Interpellation suivante de Monsieur Maniglia pour le PS. Délai de paiement des fournisseurs. Et ce sera Madame Defrenne qui vous répondra. Vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, Madame s'était adressée à Monsieur le Bourgmestre, mais vu qu'il n'est pas là, je m'adresse à vous. Merci. Donc, Madame Lechevin, les débats qui nous aurons demain sont là pour nous rappeler que la situation budgétaire de la ville est très difficile. Le budget communal que nous votons chaque année a payé des milliers de fournisseurs sur base des bons de commande ou des marchés publics. Nous savons également que notre système informatique a été gravement touché il y a un an par une attaque de grande ampleur. Monsieur le directeur général a déjà expliqué toutes les démarches qui sont entreprises pour retrouver un fonctionnement normal. Cette situation entraîne cependant des difficultés chez certains fournisseurs de la ville, qui se plaignent des délais très longs avant d'être payés. Donc, Madame Lechevin, pouvez-vous faire le point sur la situation et rappeler les initiatives et décisions du Collège pour solutionner ce problème? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Defrenne. Est à la fois sensible et complexe. Cette problématique fait suite aux difficultés informatiques que nous connaissons depuis plusieurs mois et voire plusieurs années. Vous vous souviendrez que la ville a dû faire face à des prestataires défaillants dans la mise en place de son nouveau logiciel de comptabilité et l'attaque informatique de très grande ampleur a encore complexifié les choses. Aujourd'hui, malgré le travail extrêmement important mené par nos services que je tiens au nom du Collège à remercier, la situation n'est pas encore totalement rétablie dans le domaine financier. Le Collège a entendu ce vendredi un rapport de M. le directeur général à ce sujet. Il en résulte ceci. En ce qui concerne les bons de commande, tout fonctionne désormais correctement. En ce qui concerne le paiement des factures, l'absence de solution comptable fait encourir deux risques. Le premier est celui d'un dépassement de l'allocation budgétaire. Le second serait celui d'un double paiement. Le directeur financier avait estimé que, compte tenu de ces risques, il était préférable, selon lui, de suspendre le paiement des factures. Le Collège a donc marqué son accord pour couvrir le directeur financier contre ces deux risques potentiels que je viens d'évoquer, estimant qu'il ne fallait pas mettre en péril les fournisseurs de la ville, les entreprises qui mettent en œuvre nos chantiers. Vous savez, dans ce domaine, les chiffres et l'addition peuvent monter très rapidement. Et donc, sur base de cette décision du Collège, les factures actuellement non payées devront ou seront, le seront cette semaine. J'ai en outre écrit, Monsieur le Bourgmestre a en outre écrit au ministre du tutelle pour faire valider l'option d'une adoption de comptes simplifiés 2020 et 2021 par notre conseil communal. Je vous remercie, Monsieur Maniglia. Madame, je vous remercie pour vos réponses. Évidemment, je pense que c'est le bon choix que le Collège a fait. On ne peut pas laisser des fournisseurs sans payer les factures. Tout travail mérite salaire. Bien, merci. D'accord. Je vous remercie. Interpellation suivante, toujours du PS, de Madame Omari. Lutte contre la publicité non autorisée. Et ce sera Madame Defrenne qui vous répondra. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Première Échevine, de nombreux citoyens et associations se sont émus récemment d'un énorme écran publicitaire déposé devant la gare de Guillemets. Comble de l'ironie, cette publicité faisait la promotion d'une voiture. Drôle de façon de promouvoir les transports en commun. Après quelques jours, et suite à plusieurs actions des services communaux, l'annonceur a retiré son dispositif. Madame Lichwin, pouvez-vous rappeler les règles qui s'appliquent à tous les annonceurs qui souhaitent utiliser le domaine public? Pouvez-vous également nous préciser les moyens d'action qui sont les vôtres pour agir en cas de non-respect de ces règles? Je vous remercie. Madame Defrenne. Madame la conseillère, comme beaucoup de citoyennes et citoyens, je veux dire, nous avons été surpris et contrariés quand nous avons pris connaissance de l'existence de cette installation publicitaire. Nous déplorons la politique du fait accompli. Nul ne peut ignorer la loi, en ce compris les publicitaires qui savent parfaitement que l'intention, l'installation de ce genre de dispositif
est donc régie par le Code ET, qui dit clairement en son article R4.4W10 qu'un panneau de plus de 4 mètres carrés installé sur le domaine public nécessite un permis préalable, ce qui n'avait évidemment pas demandé. Par ailleurs, permis évidemment que le collège n'aurait pas accordé si on se réfère à notre déclaration de politique communale dans laquelle nous avons pour objectif de réduire la présence publicitaire sur l'espace public. En outre, à l'heure des économies d'énergie qui s'imposent à tous, voir un tel dispositif énergivore se déployer est évidemment déplacé. Et comme vous le soulignez, comble d'ironie, il s'agissait de faire la pub d'une voiture particulière dans un lieu consacré au transport en commun. L'infraction urbanistique a été constatée par les services, signifiée tant à la SNCB qu'à Clear Channel, titulaire du panneau, par une mise en demeure qui a été immédiatement envoyée. Le bourgmestre a donc demandé que le dispositif soit enlevé dans les meilleurs délais avant qu'un PV en bonne et due forme ne leur soit adressé et transmis au procureur du roi selon la procédure. Le dispositif a été enlevé après notification de la mise en demeure par les services de l'urbanisme. Et donc, dit monsieur le bourgmestre, je tiens ici à remercier les services communaux qui sont intervenus, ainsi que madame Defraigne. Et donc, moi, je remercie monsieur le bourgmestre qui est intervenu. Un dernier élément qui va certainement vous intéresser. Le collège communal a refusé ce vendredi le renouvellement du permis d'un panneau publicitaire situé le long de la rue de Herve, toujours dans cet objectif de réduire la pression publicitaire sur l'espace public. Je vous remercie, madame Omari. Bien, merci pour vos réponses que nous ne manquerons pas de relayer sur le terrain suite au questionnement de nos concitoyens. Merci. Je vous remercie. Interpellation suivante et la dernière de monsieur Screuer. Déménagement de la caserne des pompiers. Où en est-on? Vous avez la parole. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les échevins. Le sujet est dans l'air depuis quelques années. La caserne des pompiers de la rue Rancenet pourrait déménager. Pourriez-vous me dire où en est la réflexion à ce sujet? Plus particulièrement, j'aimerais savoir si la possibilité d'une installation sur l'île-dit Barvaux, donc derrière l'hôtel de police Natalis, a été envisagée, outre une localisation remarquable au carrefour des principales voies de communication de la ville. Cela permettrait d'envisager des synergies avec l'hôtel de police, ce qui semble potentiellement intéressant dans les temps que nous connaissons. Par ailleurs, des pistes de reconversion sont-elles déjà envisagées pour le site de la rue Rancenet? Si oui, de quelle nature sont-elles? D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Monsieur le conseiller, voici les éléments d'information dont je dispose. L'intercommunal IELE avait sollicité l'ASPI pour étudier, je parle sous le contrôle de Monsieur Faouet, pour étudier les pistes de localisation de la caserne, sachant que la piste du maintien rue Rancenet fait aussi partie des pistes à étudier. Dès lors, comme vous le savez, la province de Liège est entrée au conseil d'administration et la province a lancé une deuxième étude, peut-être une seconde, mais en tout cas une deuxième étude qui ne se limite plus au territoire couvert par l'ILE, mais bien à l'ensemble du territoire provincial, ce qui peut évidemment avoir son importance dans le cadre des discussions actuelles. Et donc, à l'heure actuelle, les résultats ne sont pas encore connus. Et donc, votre question est peut-être un peu prématurée, même si très intéressante. Monsieur Schreuer. Je remercie les chevines pour ces informations. J'espère que je pourrai consulter cette étude quand elle sera achevée. Je pense cependant que la possibilité de trouver des synergies entre les pompiers et notre service de police devrait, à mon avis, être intégrée dans la réflexion. J'espère que ce sera le cas. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Nous avons deux points au niveau de Madame l'échevin Maggie Yerna. Donc je cède la parole à Madame Yerna. Oui, donc merci Madame la Présidente. Chers collègues, le premier point que nous allons aborder est la refonte de nos statuts administratifs, pécuniaires, règlement de travail et ses annexes. Le dossier est un petit peu technique, donc nous avons eu l'occasion d'en discuter lors d'une commission générale qui s'est tenue jeudi dernier. Je vais donc peut-être simplement contextualiser un peu les travaux qui nous occupent.
Et après, je pense peut-être alors vous donner la parole s'il y a des réactions plus en détail. Et là, monsieur le directeur général m'épaulera éventuellement pour y répondre. Donc, l'objectif poursuivi, et il figure dans tous les documents qui vous ont été transmis, c'est à la fois d'actualiser, d'harmoniser et de simplifier un certain nombre de textes, qu'ils soient réglementaires, législatifs, qu'ils relèvent de circulaires de différents niveaux de pouvoir et qui composaient un peu aujourd'hui nos documents de travail qui sont appelés épine dorsale de l'organisation de notre administration. Il était intéressant de procéder à ce travail aussi d'intégration de façon à avoir un seul texte avec une définition des personnes qui sont concernées par son application, à savoir aussi bien nos statutaires que les contractuels pour la plupart des différentes fonctions. L'objectif évidemment de cette modernisation en quelque sorte de nos textes s'inscrit dans la volonté qui est la nôtre de moderniser notre administration elle-même afin d'adapter aux défis auxquels nous sommes confrontés, mais aussi de tenter de valoriser notre personnel afin de conserver un certain nombre de talents, sachant que, et c'est quelque chose que nous pouvons, j'imagine, regretter ensemble, que la fonction publique locale n'est pas la mieux servie au sein de la fonction publique en général et qu'un grand travail d'attractivité reste à faire, et notamment une réflexion sur les conditions d'accès et sur les rémunérations. Ce travail doit se mener au niveau de la région wallonne. L'objectif poursuivi ici était aussi d'harmoniser vers le haut un certain nombre de mesures qui s'appliquent aujourd'hui dans d'autres pouvoirs et par là même aussi de faciliter, et ça a été évoqué largement tout à l'heure, les synergies à mettre en place avec le CPAS en harmonisant les processus entre le commune et le CPAS, et notamment ça a été aussi cité tout à l'heure dans la perspective d'une réunion de nos agents et de nos services dans la future cité administrative. Cette refonte des textes statutaires et réglementaires s'inscrit aussi dans une volonté d'une simplification administrative à destination de nos agents eux-mêmes, de façon à rendre plus lisibles les textes, de la hiérarchie qui, à un moment donné, doit les appliquer, et pour tout dire, peut-être, du collège et du conseil aussi, de façon à nous permettre peut-être de mieux suivre les différentes opérations que nous menons ensemble au bénéfice du personnel communal. Nous aurons à reparler évidemment du personnel communal dans le cadre du plan de gestion, avec la nécessaire gestion de la masse salariale et des ressources humaines, et aussi le nécessaire benchmark que nous devons faire avec d'autres villes et communes wallonnes, singulièrement avec Charleroi, pour relever ce défi qui reste tout à fait l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête, qui est la croissance de la cotisation de responsabilisation, d'où un certain nombre de mesures dont nous reparlerons demain dans le cadre du plan de gestion. Le statut administratif, le statut pécuniaire, le règlement de travail et ses annexes sont des documents techniques sortis hors de ce contexte. Il reste à venir les conditions particulières d'accès, dont je ne désespère pas de pouvoir venir devant vous au deuxième semestre. Ceci clôturera l'ensemble des dispositifs qui régissent notre administration et nous permettra, je l'espère, si possible, de réitérer une opération telle que nous l'avons menée en 2010 et en 2012 de façon à conforter un certain nombre d'agents contractuels, de mettre en place d'une manière stable notre ligne hiérarchique et les agents dans un certain nombre d'emplois et, comme évoqué dans le plan de gestion, de procéder à un certain nombre de nominations. C'est un travail qui a été un travail d'équipe réalisé notamment par les collaboratrices de monsieur le directeur général que je voudrais remercier pour ce travail de bénédictin qu'elles ont mené. Et pour le reste, je pense qu'il vaut mieux que nous nous tenions à votre disposition pour essayer de répondre à vos questions sur les différents textes qui vous sont proposés. Je vais faire tout de suite le lien avec le deuxième point qui est à l'ordre du jour, parce que je pense que ça ne sert à rien de les séparer. Le deuxième point qui est à l'ordre du jour, c'est le régime transitoire qui concerne l'inspection pédagogique. Je fais bref, parce que les différentes mesures, évidemment, qui concernent le nouveau statut administratif et pécuniaire se retrouvent par contre dans le point 1 de notre ordre du jour, qui est le statut administratif
et pécuniaire, et donc les deux points sont évidemment extrêmement liés. Par rapport à ce deuxième point à l'ordre du jour, nous avons pu prendre connaissance des réactions que la proposition que le Collège met sur la table suscite auprès des intéressés, suscite auprès de la CGSP enseignement, suscite auprès d'un certain nombre de directions ou d'enseignants qui sont par des mails ont manifesté leur soutien à l'inspection pédagogique, soutien que nous ne pouvons que partager avec eux, puisqu'il n'est nulle question dans nos textes, évidemment, de supprimer cette fonction extrêmement importante au sein de notre enseignement communal liégeois, enseignement auquel nous sommes tous extrêmement attachés. Je pense que M. le directeur général a pu vous faire parvenir une note explicative qui précise bien quels sont les tenants et les aboutissants des textes qui sont soumis aujourd'hui à votre suffrage. Et c'est donc sur cela et seulement sur cela que je vous demande d'apprécier la mesure, évidemment, et pas sur différentes informations souvent erronées, de bonne ou de mauvaise foi, mais qui ont circulé les dernières heures. Voilà, moi je ne pense pas être beaucoup plus longue dans l'introduction et je pense qu'il faut vous permettre de réagir, me semble-t-il, sur l'ensemble des documents, donc à la fois statut administratif, statut pécuniaire, règlement de travail et ses annexes, et au sein de ceux-ci, la question particulière du régime transitoire de l'inspection pédagogique. Voici, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame Léchevin. Je donne la parole à Monsieur Bouchat. Merci, Madame la Présidente. Donc, je pense qu'il faut vraiment féliciter l'administration et le Collège pour la rédaction de ces statuts. C'est en effet vraiment un beau travail compliqué qui va permettre de simplifier beaucoup de choses. Il nous a semblé que les organisations syndicales étaient vraiment satisfaites de la façon dont ça s'était déroulé et du résultat. On a généralement, lorsqu'il y avait deux statuts différents, tâché d'identifier quelle était la meilleure option pour les travailleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous applaudissons également. Donc, nous voterons absolument pour ces statuts. Concernant le deuxième point, et le statut des inspecteurs, j'ai bien lu la communication de M. le directeur général, mais elle ne répond pas à un point qui est la discussion avec les organisations syndicales. C'est ça qui était reproché, en fait. C'est pas tellement sur le fond. Je suis convaincu que sur le fond, il y a moyen d'arriver à un arrangement et à une explication. Mais ici, on a une organisation syndicale qui se plaint que le dialogue n'a pas été mené à bien. Dans ces conditions-là, il me semble qu'on doit pouvoir attendre, relancer le débat, relancer la communication aussi avec les écoles, parce qu'on a quand même reçu, j'ai compté, 49 messages. Tous sur une base erronée. Tous peut-être sur une base erronée, alors vous pourrez peut-être nous réexpliquer ce que nous n'avons pas compris. Moi, sur le fond, je n'ai pas d'avis, je ne suis pas enseignant et je pense que y a une négociation qui doit se faire, mais justement, cette négociation, elle doit être menée jusqu'au bout. Merci. Je vous remercie. Est-ce que Madame Lech... Oui, je pense que c'est un dossier important. Je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main les inquiétudes qui peuvent poindre au niveau du corps inspectoral. Alors, il faut remettre les choses dans un tout petit contexte. L'inspection pédagogique communale figure dans le cadre communal de la ville. Cadre généralement baptisé cadre administratif, ce qui ne veut pas dire que ce sont des administratifs qui le composent. En l'occurrence, ici, c'est une catégorie pédagogique qui est dans le cadre communal. Ils sont tellement bien dans le cadre communal que, contrairement à une inspection de la communauté française, ils ne sont pas financés par la communauté française, ils sont financés par les deniers de la commune. Leur statut relève donc de la négociation, concertation que nous avons menée avec la CGSP admin
avec la CSC Admin, avec la SLSP Admin. Et dans ce cadre-là, nous avons trois protocoles d'accord des trois organisations syndicales. Pour le reste, il y a comment est-ce qu'on fait la jonction alors entre, je vais dire, cette ligne de négociation et ce qui se passe au niveau de l'enseignement et la COPALOC et d'autres organes de concertation. Je pense qu'une information a été faite sur la modification qui était en cours et je pense qu'il n'y a pas de négociation à mener avec le cadre enseignant de la négociation puisque les personnes en question, bien qu'enseignantes pour la plupart, ou même tous, je pense actuellement, de formation ou d'origine, ont fait le choix, à un moment donné, en postulant une fonction, d'entrer dans l'administration au sens large, et donc de dépendre du comité de négociation et de concertation de base de la ville. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mené les négociations, et je voudrais quand même encore rappeler que cela étant dit, il n'y a pas d'atteinte aux droits acquis sur la rémunération et sur la fonction. La seule chose qui est potentiellement modifiée, et c'est encore une question d'interprétation, c'est la manière dont l'inspection pédagogique au sens large, je dirais que ce soit l'inspection générale ou les inspecteurs particuliers, organisent leur temps de travail. Et donc, c'est la seule chose qui, aujourd'hui, va être modifiée et pour laquelle nous demandons qu'il y ait à la fois une priorité qui soit évidemment réservée en termes d'exercice de ce temps de travail au moment où les écoles ont le plus besoin d'eux, mais pas que, avec une souplesse par ailleurs pour essayer de calquer ce temps de travail au régime général de l'administration, avec par contre la souplesse qui est évidemment celle qui accompagne toutes nos directions et tous les emplois de ce niveau-là de responsabilité. Je vous remercie, Madame Léchevin. Il y a encore Madame Lecron, Madame Salle. C'est juste pour dire à Madame Léchevin qu'il y a aussi Monsieur Potier et Monsieur Scroer qui veulent intervenir. Donc, je vous invite peut-être ensuite à les regrouper. Voilà. D'accord. Monsieur Bouchard. Oui. Donc, merci pour ces réponses. Je comprends tout à fait votre justification selon laquelle... Je ne justifie pas. Votre explication selon laquelle... Ce n'est pas l'intention de... Il s'agit des organisations... D'accord. Il s'agit des organisations syndicales de l'administration qui sont concernées. Mais manifestement, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas de cette façon-là. Et ça, en soi, ça pose un problème. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose... En effet, le temps de travail, moi, les contacts que j'ai eus, c'est une question importante parce que les enseignants et les directions avaient peur que le changement de régime fasse en sorte que le temps de travail des inspecteurs ne soit plus calqué sur celui des enseignants. Or, on sait que les enseignants, c'est plutôt un temps de travail, on travaille le week-end, on travaille en fin de journée... Et que pour un fonctionnaire, c'est un peu plus rigide, même avec des aménagements. Donc, c'était ça leur crainte. Que préférez-vous, Madame Léchevin ? Je vais voir peut-être répondre. Il y a peut-être d'autres interpellations qui concernent le même sujet. Je répondrai à tout le monde. D'accord. Madame Lecron, vous avez la parole. Je suis un petit peu embêtée parce que moi, en fait, je vais intervenir sur le premier point et je laisserai soin à ma camarade Céline Fassot d'intervenir sur le point dont on est en train de débattre ici sur les changements de statut pour l'inspection pédagogique. Donc, moi, je ne sais pas dans quel sens on le prend. Alors, si c'est d'or, alors Céline Fassot qui intervient sur ce sujet-ci et après, on globalise. On donnera tout, on prendra tout. Et... OK. Bah, donc, moi, je vais alors prendre la parole sur l'ensemble de l'actualisation des statuts et du règlement de travail pour les travailleurs vides et CPAS. Voilà, première chose, évidemment, je veux commencer par remercier toutes les travailleuses et tous les travailleurs, que ce soit de la ville ou du CPS, pour le boulot qu'ils font et qu'ils ont fait ces dernières années. Pas toujours dans des conditions faciles, c'est le moins qu'on puisse dire, et que ce soit en termes de moyens financiers ou humains. Donc, merci pour ce service public que vous défendez du mieux que vous pouvez. Alors, nous pouvons vous suivre avec plaisir, mesdames et messieurs, membres du collège, sur pas mal de mesures qui sont revendiquées avec beaucoup de ténacité par les syndicats depuis de nombreuses années, et nous nous réjouissons qu'elles soient enfin reprises. Je pense par exemple à la prime bûcheron ou la prime d'insalubrité pour les travailleurs de voirie, et il y en a d'autres.
Alors, par contre, en ce qui concerne les mesures de synergie sur l'harmonisation des statuts et sur le règlement de travail des travailleurs villes et CPAS, si nous pouvons vous rejoindre sur plusieurs points, nous ne comprenons pas que vous ayez fait passer la pause de midi obligatoire et non rémunérée d'une demi-heure à trois quarts d'heure pour les travailleurs CPAS, comme pour le personnel ville. Pourquoi harmoniser vers le bas ? Pourquoi, alors que les travailleurs se sont manifestés, il y a eu plusieurs assemblées, il y a eu des centaines de personnes qui ont été sondées et ils ont, les travailleurs CPAS, bien mentionné à chaque fois, ou vraiment dans le plus grand nombre, qu'ils voulaient rester au même régime, donc à la demi-heure obligatoire. Je trouve ça un peu particulier. Ces travailleurs ont tout donné ces dernières années, à travers les dernières crises. Je ne comprends pas que vous n'écoutiez pas ce qu'ils demandent et que, encore une fois, vous ayez décidé d'harmoniser vers le bas et de vous aligner sur le personnel ville. Voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas, et d'autant plus que vous pouviez juste appliquer la loi sur le bien-être et donc la demi-heure obligatoire et vous arrêter là. Bon, un autre point qui nous inquiète en raison de son interprétation possible, c'est le fait de pouvoir être licencié pour faute grave si le travailleur ou la travailleuse ne respecte pas le droit de réserve. Alors, si le droit de réserve est une réalité, ici, vous précisez, sur les réseaux sociaux, avec les différents outils numériques, etc. Mais sans aller plus loin sur ce que les travailleurs peuvent dire ou pas. La liberté d'expression, d'association, de parti sont aussi des droits des travailleurs. Alors, comment faire la différence entre un travailleur qui va critiquer ou exprimer son mécontentement et celui qui dépassera la ligne rouge dans le non-respect du droit de réserve ? Alors, une autre chose, lors de votre présentation, vous évoquiez l'intégration de nouvelles dispositions relatives aux recommandations médicales et aux trajets d'intégration. Je dois bien avouer que j'entends de plus en plus de témoignages d'agents de la ville qui ont été malades longue durée et qui maintenant veulent revenir, que le médecin, d'ailleurs, le médecin renvoie aussi au travail. Ils veulent reprendre le chemin du travail et ils ne sont pas réintégrés, ou ils le sont sans tenir compte des nouvelles conditions physiques, ou très longtemps après. Là, il y a matière à s'adapter et effectivement à changer rapidement les procédures à ce niveau-là. Enfin, nous pouvons regretter, vu la difficulté des travailleurs et des travailleuses à affronter l'augmentation du coût du carburant dans un contexte où venir en transport en commun relève du parcours du combattant. Vous le disiez vous-même, Madame Léchevin, en commission, quand vous venez en transport en commun, c'est difficile d'arriver pile à l'heure. Alors qu'il n'y ait pas de remboursement des frais de transport en voiture entre le domicile et le travail dans ce cadre-ci nous étonne un petit peu. À regretter d'autant plus que les membres du collège, vous vous êtes octroyé depuis des années cet avantage en nature avec une carte essence pour remplir votre réservoir aux frais des caisses communales. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Alors, je terminerai en réinsistant sur l'importance de bien communiquer avec toutes les travailleuses et tous les travailleurs villes et CPAS sur les modifications et les changements des statuts et des règlements de travail dans leur ensemble. Et je m'arrêterai ici. Donc, voilà nos remarques. Nous nous abstiendrons sur l'actualisation des statuts et du règlement. Si pas mal de mesures sont une amélioration, il y en a d'autres qui sont plus problématiques ou absentes. Je vous remercie. Je vous remercie. Je fais dans l'ordre, du coup, de main levée. Je vous rendrai après, Madame Fassotte, la parole. Donc, nous avons Madame Salle qui avait demandé la parole. Vous avez la parole. Oui, je vous remercie. Alors, je vais, pour les personnes, je vais reprendre quelques éléments que j'ai évoqués en Conseil de l'Action sociale et en rajouter d'autres, puisque le vote aura lieu ici. Et mon collègue Pierre Hébène interviendra sur la question, le point lié aux inspecteurs pédagogiques dans un second temps. Donc, en fait, d'abord, effectivement, comme ça a déjà été dit par Benoît Bouchat, le travail qui nous est présenté ce soir est un travail de refonte important et donc nous sommes heureux de le voir arriver. Nous avons noté plusieurs avancées intéressantes dans l'augmentation du remboursement des frais de transport en commun, je l'ai dit tout à l'heure, dans les modalités de pointage, dans la valorisation de l'expérience dans le secteur privé. Les avancées que nous saluons, mais nous avons plusieurs réserves. Alors, j'ai évoqué donc la question des frais de déplacement tout à l'heure, et donc tout l'intérêt aussi de bien développer les alternatives
À la voiture aussi, la question du covoiturage outre le remboursement des transports en commun qui nous paraissait intéressant. Donc, parmi les, puisque nous parlons des statuts et que donc nous avons évoqué les temps partiels, les horaires fixes, les horaires variables, rapidement, puisque j'ai l'impression de dire deux fois la même chose ce soir, mais Ardent souhaitait attirer l'attention de la ville sur les temps de travail partiels et sur le fait que certains d'entre eux sont imposés aux travailleurs, alors non pas tant par une volonté de la ville, mais plutôt par un système général de l'emploi qui fait que, par exemple, pour les services de nettoyage, à la fois parce que ce sont des métiers très pénibles, mais aussi par les habitudes qui sont souvent prises, on les fait travailler ou très tôt ou très tard. Alors, Madame Leschfine m'a expliqué en commission que la ville ne pratiquait pas le régime coupé, ce qui est un bon point parce que ça c'est vraiment une mesure de nature à peser sur la conciliation entre la vie professionnelle et familiale. Mais néanmoins, il nous semble important de pouvoir réfléchir à comment permettre à certaines d'avoir des horaires plus étendus pour avoir accès à un meilleur revenu, en gérant néanmoins la question de la pénibilité de la charge et donc le fait qu'on sait que ce sont des métiers très difficiles à supporter à temps plein. Et donc voilà, comment peut-on travailler cette problématique? Elle est importante pour nous, tout comme on voit dans le règlement qu'il y a certaines primes qui ont été pensées en fonction de la pénibilité du travail, notamment sur la question de l'insalubrité sur la voirie, sur la question de l'égouttage. Tiens, parce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à avoir pour le secteur du nettoyage, et ainsi, puisque le gender mainstreaming et le gender budgeting sont des mesures qui tiennent à cœur à Madame Defraigne, s'assurer qu'on donne des primes qui vont aller aussi bien aux métiers plus masculins et ainsi qu'aux métiers plus féminins. Donc ça, c'est un premier élément. Concernant le risque d'épuisement qu'il peut y avoir, nous avons relevé qu'au niveau de la petite enfance, il y avait une analyse de Coesio qui avait pointé différents chantiers à mettre en œuvre rapidement. Et donc nous espérons que ce rapport va permettre en fait de mettre en place une politique en ce sens pour lutter contre l'épuisement qui peut toucher certains services. Ce qui s'est passé à la crèche de Grivenier est symptomatique. Il y a eu un contrôle des puéricultrices et aucune encore n'a été remise au travail. Et donc il y a notamment, pour nous, il faut soutenir la possibilité d'avoir des équipes mobiles qui viennent en soutien aux équipes lorsqu'il y a des non-remplacements pour des maladies. Et alors, parce qu'on sait combien le dispatching, notamment pour les enfants dans les crèches, dans d'autres crèches de la ville, en fait, on déplace la charge de travail vers d'autres travailleuses. Et par ailleurs, c'est aussi une source de stress pour les familles. Alors, là, on parle des statuts et des règlements qui concernent les travailleurs qui sont directement liés à la ville. Il se trouve que pour certaines tâches, désormais, la ville sous-traite à des prestataires externes. Et il nous semble aussi qu'il faut pouvoir être un client exigeant quand on fait appel à des services extérieurs, parce que nous perdons la main sur les conditions de travail directes. Nous demandons de rentrer dans un cahier des charges qui sera sélectionné en fonction de différents critères, dont celui du coût. Et on sait que ça peut être un piège qui se répercute sur les travailleurs et les travailleuses, car des marges financières sont parfois cherchées par les prestataires, par les sous-traitants, et elles peuvent l'être sur les conditions de travail. Donc pour Verardant, c'est fondamental d'être attentif aux conditions de travail, y compris quand nous ne sommes pas l'employeur direct. J'ai évoqué la question des nominations, dont nous parlerons aussi demain dans le plan de gestion, sur le fait que pour nous, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on va remonter le cadre à 50% d'agents nommés et qu'il faut trouver ce bon équilibre entre agents nommés et contractuels. Mais ça, c'est un point positif. Alors, pour le passage à la pause de 45 minutes, il semble y avoir un désaccord entre les délégations syndicales et la ville. Et donc ça, c'est pour nous une réserve que nous avons par rapport à ce qui nous est proposé ce soir. Nous pensons également que le devoir de réserve qui est amené, nous le comprenons, hein, c'est tout à fait une pratique tout à fait courante dans les fonctions publiques, mais qu'il serait intéressant effectivement d'avoir des précisions sur la définition et en tout cas de constituer une jurisprudence sur ce qui est acceptable et ce qui ne le serait pas pour que ce soit tout à fait clair et,
et transparent. Je regarde si j'avais encore une remarque. Oui, c'est ça. Et alors, donc oui, et aujourd'hui, c'est la question des règlements et des statuts qui est soumise au vote. Alors, parmi ce qui fait les bonnes conditions de travail, il y a ces règlements, il y a ces statuts, mais il y a aussi la question de la charge de travail. Et j'avais évoqué le mois dernier le non-remplacement des départs à la retraite. Alors, nous craignons que cela touche particulièrement les ouvriers qualifiés en raison de la pyramide des âges. Or, à notre sens, ils remplissent des missions prioritaires. Alors, les ouvriers des plantations, aujourd'hui, c'est environ 70 personnes, si je ne m'abuse. Le service de foresterie urbaine, on a moins d'une vingtaine de personnes. Or, on a l'ambition du plan Canopée qu'il va falloir relever. Si on prend aussi d'autres services, par exemple le service de l'urbanisme, si l'équipe est déforcée, il se trouve que les délais fixés par la région, eux, vont rester les mêmes. Et donc, nous avons des questions sur comment fait-on pour trouver ce bon équilibre entre des équipes suffisamment nombreuses, une charge de travail adaptée, des priorités qui sont celles de la ville et des priorités parfois qui surgissent alors qu'on ne les avait pas prévues, comme par exemple celle de la reconstruction suite aux inondations de l'été dernier. Et donc voilà, c'était une question que nous continuerons à poser. Est-ce qu'on revoit l'équilibre dans les différentes fonctions pour s'assurer de ne pas déforcer des services ou des métiers qui seront prioritaires au vu des enjeux actuels ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je donne la parole à M. Potier. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame Leschfine, donc j'ai lu ce week-end avec intérêt les différents documents. Je salue le travail qui a été réalisé. C'est une matière qui m'intéresse particulièrement pour plusieurs raisons. D'abord, je suis diplômé en administration publique. J'ai une expérience aussi dans une administration. Et je sais aussi que l'administration, elle est indispensable à la mise en œuvre des politiques publiques. Politique, il peut décider ce qu'il veut, mais s'il n'a pas une administration efficace, il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, l'exécution des politiques, c'est finalement souvent un point qui est négligé. Alors, l'administration, elle est traversée par plusieurs théories. Il y a d'abord le modèle de base, le modèle de l'administration de base. C'est le modèle bureaucratique weberien qui est caractérisé par la prépondérance de règles et de procédures. Ce modèle, pour paraphraser un ancien Premier ministre, il est dépassé par les faits. Et alors, dans les années 70, on a eu ce qu'on a appelé la nouvelle gestion publique, qui a influencé beaucoup de réformes des administrations, y compris en Belgique. Hein, on a eu avec Copernic au fédéral. La réforme de l'administration wallonne aussi s'est inspirée de ces théories, où finalement, c'est un courant de pensée qui nie, ou en tout cas qui minimise, toute différence de nature entre gestion publique et gestion privée. Et ces théories, elles ont connu un certain nombre d'excès, un certain nombre de ratés. Ici, on n'est pas dans ce cadre-là, bêtement, d'appliquer la New Public Management. Il y a une influence, mais elle reste assez modérée. Alors pour moi, une administration moderne et efficace, ça doit respecter un certain nombre de principes que je vais citer, et puis on verra si ce règlement met en œuvre ces principes. Il y a d'abord le point, c'est la formation continue du personnel pour valoriser les compétences de nos agents. Ça a l'air assez basique, mais c'est un défi à un temps en matière d'évolution technologique, en termes d'inflation normative ou réglementaire. On a besoin d'avoir des agents qui sont mieux armés. Et le souci, c'est que souvent, la formation, elle est inscrite dans les textes, mais dans la pratique, parfois pour des raisons budgétaires, on ne la met pas en œuvre ou on limite fortement, ce qui est un petit peu dommage, puisque c'est important d'avoir des agents qui sont bien formés. Et ici, dans ce cas-ci, on a la formation qui est indiquée, qui est clairement indiquée dans les textes, mais vous me direz un petit peu si dans la pratique, elle est appliquée. Un deuxième point, c'est l'évaluation régulière et effective des agents. Je pense qu'une administration où on n'évalue pas les agents, c'est pas une administration moderne. On doit vérifier si les agents font leur travail correctement. Alors ici encore, on a l'évaluation qui est prévue, si je ne me trompe pas, tous les 2 ans. Après, évidemment, encore une fois, c'est la pratique qui compte.
puisque dans certaines administrations, on met un avis favorable à tous les fonctionnaires d'un service, ça existe. J'ai des exemples, je parle dans votre administration, je ne parle pas de la ville de Liège. À la ville de Liège, je ne connais pas la situation et peut-être que vous pourrez m'éclairer aussi. Ou parfois, on ne fait tout simplement pas l'évaluation, ce qui est un peu dommage et ce qui peut avoir aussi des conséquences, notamment dans le cadre quand on passe des tests et tout ça, parce que dans le règlement, il est marqué que non, mais parfois, dans la pratique, ça peut poser problème. Un autre point qui me semble également essentiel, c'est le réaménagement de l'espace et du temps au sein de la fonction publique. Alors, la manière d'envisager le travail a clairement évolué depuis le début de ce siècle, avec davantage de flexibilité à concevoir pour assurer une certaine harmonie entre vie professionnelle et vie familiale. Alors, ça passe également par un certain nombre de principes pour arriver à cette harmonie entre vie professionnelle et vie privée. Il y a notamment travail qui est réglé davantage par objectif, plus que par simple durée de présence physique, je vais y revenir. Il y a également davantage de confiance plutôt que le contrôle, et également une hiérarchie qui évolue, qui se modifie. Alors, qu'en est-il dans le règlement de travail qui est soumis aujourd'hui au vote? Au niveau du réaménagement de l'espace et du temps, de la fonction publique, on voit qu'il y a une évolution. Il y a notamment le télétravail qui peut aller jusqu'à 3 jours par semaine, ce qui est assez rare. Il y a beaucoup d'administrations où c'est uniquement 2 jours. Évidemment, il est possible uniquement pour les fonctions compatibles, ça va de soi. Il me semble que c'est une petite révolution. On voit que la crise sanitaire, elle est passée par là. Elle a eu au moins ce mérite. Par contre, dans le règlement, on est toujours dans un travail réglé par simple durée de présence physique. Finalement, avec la fameuse pointeuse, je trouve que c'est d'un autre temps. On est également davantage dans le contrôle que dans la confiance. Ça se ressent très fort dans les statuts. Il y a un certain nombre d'annexes sur le contrôle des heures, etc. C'est très développé, ça va fort dans le détail. Et alors, on voit évidemment que la hiérarchie est toujours bien présente dans la droite ligne, finalement, du modèle bureaucratique weberien. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire une organisation de travail par objectif. Ça pourrait être plus efficace pour les fonctions, évidemment, où c'est possible. C'est pas possible partout. Alors, ce n'est pas adapté à tous les postes. Parce que dans ce type d'organisation, donc par objectif, la durée de présence au bureau, finalement, elle est assez secondaire. Ce qui est important, c'est d'atteindre les objectifs qui sont fixés chaque mois et qui sont évidemment vérifiés. Pas de naïveté. C'est le modèle notamment qui a été choisi par certains services publics fédéraux. Je pense notamment au service public fédéral finance qui fonctionne comme ça, avec des résultats qui sont plutôt probants. Donc ça marche, parce qu'on pourrait dire que c'est un truc un peu naïf, mais non, ça marche. Et ici, ça ne semble pas être la voie suivie par l'administration liégeoise. Pour moi, c'est une petite occasion manquée. Vous me répondrez peut-être sur ce point, en sachant pourquoi on n'a pas été vers un modèle comme celui-ci. Mais cela dit, cela reste un travail de qualité qui a été mené avec des avancées. Et alors, c'est pour cette raison que je soutiendrai tout de même le règlement de travail et le statut administratif. Je vous remercie, Monsieur Potier. Je donne la parole à Monsieur Schreuer. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais moi aussi saluer le travail qui a été réalisé, parce que c'est un travail vraiment important en termes de synthèse et de rassemblement d'un grand nombre de dispositions dans un format plus lisible. Et on a eu l'occasion assez longuement de parcourir tout ça en commission, et les questions que j'avais ont trouvé réponse. Je m'interroge cependant sur la manière et la méthode de faire aboutir une telle réforme. Je suis assez sensible aux remarques que vient d'exprimer M. Potier dans le sens d'une organisation plus souple du travail et moins hiérarchique.
Je pense qu'il y a des réflexions à avoir par rapport à ça. Et bon, ici, on est évidemment face à un règlement de travail à adopter. Et je trouve que le fait qu'il y ait ces dizaines de personnes et des agents communaux, des directions d'école sur le point spécifique des inspecteurs qui nous contactent, devrait nous amener à nous poser la question de dans quelle mesure, dans les travaux du conseil communal, on peut écouter et recevoir des représentants des travailleurs. Je pense que ça serait vraiment intéressant et riche dans une commission du conseil de pouvoir auditionner des représentants des travailleurs et connaître leur point de vue et peut-être de ce fait thématiser certains enjeux qui ne nous apparaissent pas spontanément. J'ajoute sur ce deuxième point, et comme ça je fais la liaison entre les deux choses, que même si je lis bien les explications que M. le directeur général nous a envoyées tout à l'heure et celles que Mme Léchevin nous a données là à l'instant, il me semble que dans un contexte d'aussi grande difficulté des institutions démocratiques à exister, à être reconnues, on doit être attentif. Quand il y a des dizaines de personnes qui, a fortiori dans les fonctions qu'elles exercent, qui expriment un malaise, je pense qu'il serait souhaitable de temporiser et de prendre le temps de rencontrer, d'expliquer, de concerter, d'écouter, plutôt que de passer maintenant. Je ne sais pas s'il y a une raison qui nous oblige à passer maintenant le texte, mais je suis d'avis, dans ce genre de circonstances, même si a priori les arguments que vous donnez semblent fondés, je pense qu'il est souhaitable, en termes de culture démocratique, de se montrer à l'écoute dans ce genre de circonstances et de prendre le temps de l'explication avant le vote, si cette explication n'a pas été suffisante. Je pense que on se plaint énormément de la désaffection de nos concitoyens pour la démocratie représentative, pour les enjeux électoraux, pour l'action des partis politiques, etc. Et on voit à quel point nous n'inspirons plus guère confiance les uns et les autres, autant que nous sommes, en dépit de tous nos efforts. Je pense qu'on changera ça aussi en se montrant humble dans certaines circonstances et en pouvant marquer le pas et prendre le temps de la discussion. Je vous remercie, M. Schreuer. Madame Fassot, vous avez la parole. Alors, je vais rebondir sur ce que M. Schreuer vient de dire. Une cinquantaine de mails de membres du personnel enseignant de la ville de Liège. Vous les avez vus comme moi, ils sont dans la salle à côté, il y a des enseignants, des enseignantes, des directeurs, des directrices, et ils sont à côté pour vous faire changer d'avis sur ce point. Donc franchement, est-ce que vous allez les écouter? Est-ce que vous acceptez là maintenant, après avoir entendu tout ce qu'on vient de dire, de reporter ce point? C'est pas une question rhétorique en fait. Alors, je commencerai mon intervention en disant que ça ne va pas du tout, en fait, sur le fond et sur la forme, et que vous coupez complètement du terrain, c'est incompréhensible. L'abrogation du statut communal du personnel inspecteur porte essentiellement sur deux points. La dévalorisation du métier avec des barèmes inférieurs à ceux pratiqués actuellement et leur assimilation à du personnel administratif et non plus enseignant. Les inspecteurs sont dégoûtés de la manière dont ils sont traités. Les directions et les enseignants sont derrière eux. Les trois organisations syndicales de l'enseignement ont rendu un avis négatif sur le texte. Les inspecteurs de l'instruction publique de la ville de Liège ne sont pas qu'inspecteurs au sens propre. Ils endossent plusieurs rôles. Désignateurs des membres du personnel, médiateurs, conseillers pédagogiques, représentants du pouvoir organisateur. Et ce sont eux aussi qui mettent en place les projets d'envergure comme la pédagogie freinée ou l'immersion linguistique. Donc leurs fonctions sont essentielles au bon fonctionnement de l'enseignement à Liège. Et c'est bien pour cela que nous avons été inondés de mails émanant donc des directeurs d'école et des enseignants. Eux qui sont sur le terrain savent bien que s'il y a dévalorisation salariale et diminution des congés, l'emploi sera moins attractif, il y aura moins de candidats et l'instruction publique va moins bien fonctionner. Jusqu'à maintenant, devenir inspecteur, ça implique un parcours sur le terrain, dans les écoles, et c'est vraiment un prérequis très précieux. Leur système de congés est calqué sur celui des directions.
Pourquoi vouloir à tout prix rogner dessus et leur permettre de les prendre à tout moment dans l'année plutôt que pendant les congés scolaires, alors même qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, leurs confrères continueront de bénéficier des avantages? Ça n'a pas de sens et ce n'est pas valorisant. Un moins bon salaire et moins de congés, franchement, devenir inspecteur, ce ne sera plus une promotion. Nous vous demandons donc de revenir sur ce texte, d'engager un véritable dialogue avec le personnel et de mettre sur la table des pistes de solutions crédibles et légitimes. Alors nous envoyer aujourd'hui, 20 minutes avant le début du conseil, un mail nous expliquant d'un côté qu'on a mal compris car on serait illégitimement désinformé et d'un autre côté que c'est le CRAC qui nous impose ce changement de statut, c'est pas constructif. Ce sera donc un vote contre ce fameux point pour le PTB. Merci, Madame Fassot. Je donne la parole à Monsieur Eben. Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles on est d'accord, honnêtement, ici. Moi, je voudrais faire un parallèle. Au-delà de la forme, il y a toujours la question de la forme, la façon dont on arrive aux choses. Je voudrais faire un parallèle avec ce qui s'est encore passé avec la question du plan de gestion. Ben, le plan de gestion, il a d'abord été présenté à la presse. Et puis, on en a discuté ensemble en commission. Pourtant, il me semblait que Mme Defraigne avait dit qu'on ferait autrement maintenant, mais en tout cas, c'est encore ce qui s'est passé à nouveau. Et ici, c'est la même chose. Si je vois le mail que beaucoup d'entre nous recevons de la CGSP Enseignement, il part jeudi. Parce que jeudi, ils sont peu informés sur ce qu'il y a dedans. Et peut-être qu'ils disent des bêtises, des choses inexactes. Moi, je pense qu'il y a quand même une série d'éléments d'inquiétude qui sont soulevés, qui sont réels. Mais en tout cas, ils disent ça parce qu'ils n'ont pas été concertés dans le lieu qui est prévu pour, qui est la COPALOC. Ils n'ont pas pu avoir le détail des informations à ce moment-là. Et si je comprends bien, le moment où vous les recevez ou vous discutez pour préciser des choses avec eux, c'est le lendemain, c'est le vendredi. Peut-être que cette forêt de mails qu'on reçoit, elle vient de cela d'abord, c'est-à-dire du timing, du temps qu'on prend pour expliquer les décisions qu'on veut prendre, indépendamment du fond des questions, des questions et des modifications. En l'occurrence, j'ai aussi, comme Céline, une série de réserves. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on va demander au nom de notre groupe, c'est effectivement de prendre le temps d'informer et pas de passer en force aujourd'hui. Donc, nous, on souhaiterait, comme c'était demandé par plein de personnes, et pas que parce qu'elles ne sont pas informées, aussi parce qu'elles sont des personnes de terrain et qu'elles ont des craintes légitimes, c'est qu'on puisse reporter ce point. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Eben. Monsieur Stassar. Oui, Madame la Présidente. D'abord, par rapport à ce premier point, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un passage vers un nouveau train de nomination. En effet, il y a déjà un certain temps que nous avons procédé à un important train de nomination. Il y en a eu ensuite, plusieurs années de suite, mais un nouveau train entier est en attente. Et vous nous l'annoncez, Madame Léchevin, et on ne peut que s'en réjouir. D'ailleurs, vous-même, vous aviez joué un rôle majeur dans le train précédent. Pour le travailleur, la nomination, c'est à la fois une reconnaissance et aussi une sécurité face aux aléas de la vie. On ne parle pas ici d'une faute grave qui sera sanctionnée pour un nommé comme elle le serait pour un autre, mais c'est une sécurité. On se dit que l'on est travailleur du service public. Et donc, je me réjouis de ce nouveau train. La proportion, faudra-t-il se limiter à 50%? On doit faire ce que nos moyens permettent. C'est vrai qu'on est tombé en dessous de 40% de nommés actuellement, mais on voit que la cotisation de responsabilisation a un effet évidemment négatif sur la ville, et donc nommer, c'est diminuer cette cotisation de responsabilisation et on pourrait donc nommer même au-delà de 50%, sans doute à 55, 60, 65%. Il y a une limite, bien sûr, il ne faut pas que notre dotation en poste APE soit menacée, mais je pense que dans les eaux de 55, 60, 65%, elle ne le serait pas. Et donc, il faut être prêt à l'envisager dans l'intérêt des travailleurs et aussi de la ville, car la cotisation second pilier à laquelle nous serons astreints par le gouvernement fédéral dépendra évidemment aussi du nombre de contractuels. Elle n'est pas due sur les nommés, donc c'est une autre économie et c'est sur l'ensemble de ces données qu'il faudra établir l'équilibre. Puisque le point 2 est joint au point 1, je vais quand même en dire deux, trois mots. Le niveau barémique, bien sûr, est important. Un inspecteur, c'est une fonction, somme toute, qui est vue comme une fonction à juste titre de promotion,
Nous avons 77 directeurs à la ville, 6 inspecteurs, c'est raisonnable dans la proportion, et il est logique, et je suis sûr que M. Chevin d'Instruction publique sera d'accord, qu'il est normal que l'inspecteur ait un salaire au moins égal à celui des directeurs qu'il a sous ses ordres, donc en l'occurrence celui du directeur en promotion sociale, mais aussi par rapport à l'extérieur. Car nos inspecteurs, qui sont des enseignants, et nous devons réaffirmer ce rôle pédagogique, ce rôle d'enseignant, doivent être en interface avec les directeurs de contrat d'objectifs, fonction largement parasitaire qui a été créée dans le cadre du soi-disant pacte d'excellence, mais qui est au barème 514, c'est-à-dire au barème des inspecteurs actuels. Et donc, il ne serait pas pensable que nos représentants qui défendent les équipes enseignantes face à des pressions indues qu'on voudrait mettre sur elles en ignorant leur travail ne soient pas armes égales. J'ajouterai que pour bien montrer que la fonction pédagogique est essentielle, il serait logique que l'inspection générale soit, de la même manière que le conseiller en prévention est subordonné au seul directeur général, soit subordonné au seul directeur général, pour bien montrer qu'elle est hors de tout cadre administratif, la fonction administrative ayant bien sûr son importance, mais étant à côté et non pas au-dessus. Mais assez dit sur ce point, je voudrais aussi me réjouir, pour revenir au premier, Madame la Présidente, Madame Léchevin, que l'on aura aussi des nominations en même nombre, en même proportion au CPAS. Et ça, c'est important, parce que dans le train précédent, le CPAS avait malheureusement été laissé pour compte. Ce n'est pas de votre faute, bien sûr, Madame Léchevin, et comme je l'ai déjà dit, on ne vous remerciera jamais assez pour le train qui a été fait, mais je suis convaincu qu'avec l'ensemble du collège, avec Monsieur le Président du CPS, Jean-Paul Bonjean, on veillera à ce que les travailleurs du CPS, comme les travailleurs de la ville, stricto sensu, puissent être nommés au taux le plus élevé possible, dans le respect de l'intérêt financier de la ville. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie. Si personne ne veut intervenir, je donne maintenant la parole à Madame Léchevin. Alors, Madame Lecron, donc en effet, différentes primes, y compris des primes qui sont actualisées, qui n'étaient pas forcément revendiquées, sont prévues et le sont vers le haut. Les synergies, ben pourquoi faire 30 minutes qui deviennent 45 au CPS et pas 45 qui deviennent 30 minutes à la ville ? Parce que ça fait l'objet d'une organisation et d'une négociation qui a été menée à la ville déjà en 2014, qui correspond à une organisation qui aujourd'hui est intégrée, qui fonctionne relativement bien. Et donc, le choix qui a été fait est le choix de calquer les emplois du CPS concernés par cette mesure, je rappelle qu'ils ne le sont pas tous, sur le modèle ville et pas le contraire. Licencié pour faute grave, droit de réserve, liberté d'opinion, liberté d'expression, c'est clair qu'il faut en effet faire preuve de bon sens et créer une jurisprudence. Il en existe d'ailleurs une auprès des cours et tribunaux, déjà, maintenant, et nous construirons la nôtre en nous y référant et en faisant en sorte qu'il y ait aussi en interne, évidemment, toutes les procédures qui accompagnent le droit de la défense et le droit de s'exprimer par rapport à des mesures qui s'appliqueraient dans ce cas-là. Mais croyez bien que la liberté d'expression est quelque chose auquel le collège est tout à fait favorable dans les limites, on va le dire comme ça, du droit de réserve et de la déontologie qui accompagne chacune des fonctions. Le trajet d'intégration, je suis un peu perturbée par ce que vous dites, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours simple à mettre en place. Ce n'est pas simple du point de vue de l'administration qui accueille, ce n'est pas simple du point de vue de l'agent qui revient, et ce n'est pas toujours simple non plus au niveau des organismes chargés de l'accompagnement de l'agent dans ce cadre-là. Donc si vous avez des cas concrets de choses qui n'ont pas abouti, je préférerais que vous me les fassiez connaître, ainsi qu'à monsieur le directeur général, plutôt que de vous répondre dans l'absolu, parce que c'est une mesure, en tout cas, nous qui nous est chère, et qui permet à des agents, en effet, de retrouver le contact avec leurs collègues, et c'est parfois
on le sait, en tout cas dans tous les fois où c'est possible, un des facteurs de la guérison ou en tout cas d'une certaine sérénité morale que les gens peuvent retrouver. Donc si vous avez des cas concrets... Non, enfin, moi, je ne les connais pas. Donc, si vous avez un document, si vous avez un document que vous m'avez adressé sur le sujet et que, dont vous disposez aujourd'hui, ben, donnez-le-moi maintenant. Non, je ne vous dis pas que je vous ai adressé un courrier. Ce que je vous dis, c'est que c'est des sujets, des cas que vous connaissez, parce qu'en fait, il n'y a pas que moi qui les ont tenus au courant. Il y a, enfin, il y a plusieurs cas différents. Vous avez rencontré une IA et que ça ne s'est pas bien passé. Bref, je ne sais pas, parler dans l'absolu. Et s'il y a un cas... Non, il n'y en a pas qu'un, il y en a eu plusieurs. Mais... Oui, mais donc voilà. Donc, je trouve ça important de ne pas minimiser. Et je ne dis pas que c'est mal fait volontairement. Ce que je dis, c'est qu'il y a un souci à ce niveau-là. Mais je vous dis qu'il en est de même du circuit d'intégration que de Jeannine, Bernard ou Alfred que vous rencontrez en rue de temps en temps. Si vous pouvez me dire ici quels sont les agents concernés par le cas ou par les cas, moi, je préfère travailler sur les cas que de travailler dans l'absolu. Donc... Voilà, et sans trahir vos sources, ou je ne demande pas les choses, mais il faut qu'on puisse savoir de quoi vous parlez. Alors, sur le coût carburant, qu'est-ce que nous remboursons? Nous remboursons au niveau de nos agents un certain nombre d'abonnements en transport en commun. Nous ne prenons pas en compte, c'est vrai, un remboursement au niveau de la voiture et du carburant entre le domicile et le lieu de travail. Nous le faisons évidemment quand l'agent utilise, et c'est bien normal, sa voiture pour des missions de service. Quant à la comparaison avec le collège, je rappelle qu'au niveau du collège, il y a un décret qui règle les avantages en nature des mandataires. Nous sommes conformes à ce décret et c'est donc bien un avantage en nature en ce qui nous concerne. Et je pense que je m'arrêterai là dans la comparaison un peu facile et à tout dire un peu à ras des pâquerettes que vous avez voulu mettre en avant. Alors je vais répondre à Madame Salle. Donc c'est en effet une refonte avec des avancées intéressantes, avez-vous dit, en termes de pointage, de valorisation des années du privé. Il y a une problématique du travailleur à temps partiel qui existe. Vous nous avez déjà interrogé sur le sujet. Et à la limite, plus de flexibilité n'est pas possible au niveau du travailleur à temps partiel. Je m'en étais inquiétée auprès de M. le directeur général dans le cadre d'une législation d'ailleurs fédérale qui doit permettre à un moment donné tous les contrôles des prestations. On a fait des petits efforts sur un petit quart d'heure par-ci ou un petit quart d'heure par-là. C'est peu et c'est beaucoup quand c'est fait avec goût. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Les primes de pénibilité pour le secteur, non pas du nettoiement, mais du nettoyage, c'est clair et je partage avec vous que c'est un secteur extrêmement féminisé. C'est une majorité de dames qui sont dans le secteur du nettoyage. Ce sont souvent des emplois, d'ailleurs, que nous recrutons d'abord à temps partiel. Et ce sont aussi les plus petits barèmes, ou dans les plus petits barèmes, en tout cas, de l'administration. Nous en sommes bien conscients. Et donc, contrairement à ce que vous pensez, nous avons une politique d'augmentation du temps de travail par rapport à ces personnes, sur base à la fois d'une ancienneté, d'un rapport d'évaluation et d'une évaluation du présentéisme. Et qu'au moment où nous pouvons procéder à du recrutement dans ces catégories-là, en général, nous faisons une partie du chemin en extension du temps de travail et l'autre partie en recrutement, parce que dans ce type de fonction, il faut hélas avoir aussi un peu de temps partiel pour l'organisation du travail, si on ne veut justement pas faire des découpés. Donc, c'est clair qu'il y a une pénibilité que je ne veux pas minimiser, c'est d'ailleurs pour ça... Avec notre secteur du bien-être au travail, nous tentons d'équiper au mieux nos auxiliaires professionnels. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a encore une différence dans l'exercice de ce métier pénible, suivant qu'il se fait à l'intérieur, par exemple, ou à l'extérieur, notamment dans des conditions, par exemple, hivernales. Et c'est pour ça que, pour le moment, la prime de pénibilité va plutôt au nettoiement qu'au nettoyage. Mais c'est un secteur qui a toute notre considération. Alors, petite enfance, rapport cohésion, épuisement des agents, équipe mobile, ça n'a pas grand-chose à voir avec les statuts qui sont sur la table aujourd'hui. On vous entend et je pense que M. Hupkens
a établi un dialogue avec non seulement la direction du département, mais aussi les responsables des crèches. Et je rappelle que l'étude Cohésio, c'est à la demande de Monsieur le directeur général, d'ailleurs, qu'elle a été instruite. Et nous pensons bien, évidemment, voir quelles mesures nous pouvons en retirer. Alors, les services extérieurs et les conditions de travail, les nominations, ce n'est pas tout à fait lié au statut non plus. Et nous tendrons à essayer, via le plan de gestion, d'en faire un certain nombre. 400 avons-nous écrit. Je ne reviens pas sur les 30 minutes et sur les 45 minutes. La réponse vaudra pour tous les intervenants. Le devoir de réserve, je vous ai expliqué, il y a une jurisprudence des cours et tribunaux. Et le remplacement des agents à la retraite, ça n'a pas grand-chose à voir non plus avec les statuts qui nous sont présentés aujourd'hui. Mais nous aurons sûrement à en discuter dans le cadre du plan de gestion. Et nous devrons en effet trouver un équilibre entre la gestion de notre masse salariale, la gestion de notre effectif et les exigences du gouvernement wallon via le plan Oxygène pour nous permettre de nous maintenir la tête au-dessus de l'eau et bénéficier de l'aide. L'aide ne se fera pas sans que nous remplissions un certain nombre de conditions. Et c'est dans ce cadre-là aussi que je tiens à dire à tous et à chacun aujourd'hui que les mesures qui concernent l'inspection pédagogique font partie d'un tout. Et c'est donc un tout. Le vote se fera séparément, évidemment, sur la mesure transitoire et sur les statuts. Mais sur les statuts, il comporte les mesures qui concernent l'inspection pédagogique. C'est bien un tout que nous soumettrons à la tutelle. On ne pourra pas diviser le vote de ce soir. Alors, Monsieur Potier, vous nous avez fait un petit cours sur comment organiser les administrations entre le modèle de base et la nouvelle gestion publique. Je dois vous dire que c'est gentil de dire qu'on veut avoir un statut moderne et efficace. C'est toute notre ambition. Si nous avions pu l'écrire au départ d'une page blanche, je peux vous assurer que ce n'est pas le document que vous auriez sur la table aujourd'hui qui serait soumis à votre vote. Nous sommes dans une contrainte et dans un carcan qui est celui de la région wallonne, qui est notre tutelle, et qui aujourd'hui, dans le cadre de son comité de concertation, donc le comité C, négocie la plupart des conditions que nous sommes tenus d'appliquer dans nos statuts. Alors, on nous annonce une grande réforme wallonne. Nous l'attendons de pied ferme. Je ne désespère pas que nous tentions de l'anticiper dans des propositions que nous vous ferons au mois de septembre. Mais en attendant, je ne suis pas sûre que la façon dont la Wallonie envisage aujourd'hui l'organisation des pouvoirs locaux soit bien moderne et efficace. Je pense qu'en général, on est d'ailleurs plutôt le parent pauvre, parce que ce qu'ils s'appliquent à eux-mêmes, au moment où nous sommes, ils ne l'appliquent pas aux villes et communes. En formation, la formation, nous l'appliquons. Nous votons d'ailleurs des plans de formation régulièrement qui comportent à la fois des formations obligatoires pour les évolutions des agents, mais aussi des formations demandées par les agents eux-mêmes et ou par l'administration afin de correspondre aux nouveaux besoins et à la nouvelle efficience et efficacité de celles-ci. Nos évaluations se font de manière régulière et effective hors période Covid, évidemment, qui a un petit peu retardé tous les éléments, et elles ont toujours une double fonction, faire évoluer l'agent, ça je dirais que c'est la fonction principale, et aussi permettre les évolutions de carrière, puisque dans le cadre actuel de la RGB, l'évaluation est souvent une condition nécessaire, pas souvent suffisante, mais nécessaire en tout cas, à l'évolution de carrière des agents. Alors, réaménagement, espace et du temps de travail. Donc, je rappelle que nous sommes à 36 heures. Ce n'est pas le cas de toutes les communes. Je rappelle que le travail par objectif, il est difficile quand on est ouvrier de nettoiement, de nettoyage, plombier, péricultrice. Et je peux en citer qu'on est en front office dans un guichet, c'est un peu plus compliqué. Et l'ensemble des autres personnels, qui ne sont donc pas ceux que je viens de vous citer, sont concernés aussi par un horaire variable, par des horaires aménagés et par toutes les mesures, évidemment, de réduction du temps de travail qui existent pour congé parental et autres. Et donc, confiance plutôt que contrôle, oui, mais si la confiance ne se mesure pas, le contrôle, lui, doit pouvoir se mettre en place. Et donc, ça implique vraiment une responsabilité des chefs de service,
quant à savoir qui demain pourra ou non bénéficier, par exemple, du télétravail, puisque ce n'est pas une mesure de réduction du temps de travail, mais une adaptation du temps de travail qui doit être contrôlée et mesurée. Monsieur Schreuer parle uniquement du problème de l'inspection et nous demande de temporiser. Madame Fassot nous demande, allons-nous temporiser ou non? Sommes-nous coupés du terrain? S'agit-il d'une assimilation à du personnel administratif? Non. Monsieur Eben nous parle aussi du report. Monsieur Stassin évoque les nominations et le chiffre de 400 que nous évoquons, Monsieur Stassin, n'est pas le fruit du hasard. Il est bien celui qui préserve notre dotation APE dans l'état actuel des choses et la mesure est prise à la fois au bénéfice des agents, mais aussi dans les trois mesures que nous allons tenter de mettre en place pour diminuer la facture de responsabilisation. La question sur le niveau barémique de l'inspection, je voudrais redire encore une fois, maintenant, là, que celles et ceux qui aujourd'hui ont des barèmes qui ne sont pas ceux que nous vous proposons, conserveront le bénéfice de leur barème jusqu'à tout changement de leur situation professionnelle ou jusqu'à leur pension, et que donc il n'y a pas aujourd'hui d'atteinte au niveau barémique des personnes qui sont en fonction. Je comprends très bien la tension qu'il peut y avoir entre les directions et l'inspection conçue comme une promotion. Il s'agira donc à l'avenir d'examiner si cette tension existe ou pas dans les choix que nous serons amenés à opérer. Et donc, en un mot comme un sang, le statut ne sera pas scindé, et donc c'est bien l'ensemble du texte du statut qui sera soumis à votre vote aujourd'hui. Et concernant le point 2, il n'y a donc pas d'enchef du collège de report de la mesure. Je vous remercie, Madame Léchevin. Nous passons du coup au vote du point 1, adoption des statuts administratifs et pécuniaires ainsi que du règlement de travail et de ses annexes. Pour le PTB, abstention. Pour Vert Ardent, abstention. Pour les engagés, abstention. Pour Monsieur Potier, ce sera un vote oui. Monsieur Schreuer, abstention également. Et maire pour Liège, oui. Pour le PS, oui. Je vous remercie. Le point 2, abrogation des textes actuels fixant les statuts communaux, le statut communal du personnel du service de l'inspection pédagogique. Pour le PTB, contre. Pour Vert Ardent, contre. Pour les engagés, contre. Monsieur Potier, abstention. Monsieur Schreuer, contre. MR pour Liège, oui. Pour le PS, oui. Je vous remercie. Je voudrais vous demander, pour une question de logique et d'agenda, si vous voulez bien faire avancer le point 12 de l'ordre du jour de demain, qui est l'approbation des points porté à l'ordre du jour de l'AG ordinaire du 28 juin de l'intercommunal LASPI. Vu que c'est demain, est-ce que cela ne dérange personne de remonter ce point? Je vous remercie. Donc je le soumets au vote. Pour le PTB, abstention. Pour Vert Ardent, oui. Pour les engagés, abstention. Chut, nous avons bientôt terminé, s'il vous plaît. Donc, Monsieur Potier, abstention, Monsieur Potier. Monsieur Schreuer, Vega, oui. Oui, pardon, Vega. MR pour Liège, oui. Pour le PS, oui. Je vous remercie. Nous avons dès lors terminé l'ordre du jour d'aujourd'hui et je vous souhaite du coup une belle soirée et à demain, 17h.